Les paquebots, globalement, apparaissent euh, d'abord de façon un peu rudimentaire au début du, du 19e siècle. Avant ça, même, il y avait déjà une euh, liaison maritime entre les, les deux continents. Simplement, petit à petit, le flux se massifie, euh, flux de personnes, mais aussi le, le flux de biens. Il hein. ne faut pas oublier que les paquebots souvent transportent du courrier et des, et des marchandises. Et donc, euh, c'est vraiment ça qui va générer petit à petit la mise en place d'un service régulier. Et puis l'élément décisif, c'est surtout à partir des années 1830, l'arrivée de la machine à vapeur qui est utilisée vraiment sur des paquebots, au départ comme complément, parce que bon, on continue à se fier à la voile, mais la vapeur a l'intérêt surtout d'assurer une régularité. Si le vent tombe, on n'est pas immobilisé en plein océan comme ça, à la merci des éléments. On a une solution qui permet d'avoir une régularité et une stabilité. Et donc petit à petit, les choses vont évoluer dans ce, dans ce sens avec euh, des technologies nouvelles aussi, c'est-à-dire qu'on va passer de coques en bois à des coques en fer puis en acier, et ça permet de faire des navires évidemment beaucoup plus solides, donc beaucoup plus grands. On va passer aussi euh, bah, de types de propulsion différents. On commence par de la, de la voile, puis on rajoute souvent des roues à aubes sur les côtés, mais le problème c'est que c'est fragile, surtout dans l'Atlantique Nord qui est un océan agité. Donc on va rajouter ensuite plutôt des hélices, au départ on en met en mettant une, et puis on se rend compte qu'une seule, bon, il y a toujours le problème qu'elle peut casser en cours de route. On en met deux, puis parfois même plus encore ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 hein, pour augmenter encore la, la puissance du navire. Et donc tout ça, cumulé, tout un tas de petites innovations comme ça qui, qui, avec lesquelles on expérimente, on essaie des choses, on, on est toujours en train d'expérimenter en fait, tout au long de cette période-là. Bon, ça va faire qu'au début du, du 19e siècle, on a des compagnies de plus en plus solides qui se mettent en place, même si ça reste encore très difficile parce qu'investir dans des navires, c'est un investissement assez colossal. Et c'est un investissement qui peut être fragile puisqu'on a par exemple des compagnies comme la, la Collins Line. La Collins Line, c'est une entreprise américaine des années 1850. Au départ, ils ont quatre navires et puis ils en perdent deux à deux ans d'écart dans des naufrages. Et là, du coup, toute la compagnie, en fait, coule avec ses bateaux parce que c'est des investissements qui, qui sont perdus d'un coup et il n'y a plus moyen du tout de continuer à tenir. Les populations ont un rapport très ambigu avec euh, ces moyens de transport, parce que d'un côté ça émerveille, mais de l'autre, c'est pas parce qu'on est ébahi par la prouesse technique qu'on a forcément envie d'être le premier à l'expérimenter. Ce qui fait qu'on a des paquebots, généralement les paquebots vraiment révolutionnaires. Euh, je pense notamment au Great Eastern qui est mis en service euh, à la fin des années 1850, début 1860, qui est un navire gigantesque qui inspire des écrits à Jules Verne, qui est un truc monstrueux, à voile mais aussi à vapeur, avec cinq cheminées, on n'a jamais revu ça. Ça va rester le plus grand navire jamais construit jusqu'à la toute fin du 19e. Donc on est vraiment sur quelque chose d'énorme. Et il est prévu pour 5000 personnes, et en fait, il en a jamais plus, transporté plus de quelques centaines, parce que les gens ont peur de monter là-dessus. À tel point qu'au bout de quelques années, le Great Eastern va être reconverti en navire câblier, c'est-à-dire un navire qui est chargé de poser des câbles sous-marins à travers l'Atlantique pour permettre les, les transmissions. Et euh, du coup, c'est bien le signe là, que les gens ont eu peur de ça. De la même manière qu'avant ça, l'arrivée de l'hélice paraissait moins fiable que euh, bah, la technologie éprouvée des roues à eau, alors qu'en réalité, c'est le contraire. Mais il faut quand même un petit peu de temps pour s'y faire. Maintenant, en général, une fois que le navire est bien installé, au bout de quelques temps, ça se, se, les, les gens s'habituent et euh, finissent par, euh, par adhérer totalement. Les innovations répondent à une demande de toute façon, euh, c'est-à-dire qu'il y a des raisons de traverser. Alors ça peut être des flux migratoires vers les États-Unis, mais pas seulement. Par exemple, dans les années 1840, il y a toute une ruée vers l'or, vers l'Australie. Et donc là, on a des compagnies qui investissent beaucoup dans ces navires, puis qui ensuite euh, arrêtent parce que finalement n'est pas assez rentable. On va avoir des navires pareil, qui vont desservir l'Amérique du Sud pendant quelque temps, puis finalement c'est pas assez rentable pour les compagnies, donc on arrête. Souvent, on a des tâtonnements comme ça. Ensuite, on a des puissances, notamment l'Angleterre et puis la France aussi, qui sont en train de devenir des empires coloniaux. Et ça, c'est très important, parce que ces empires, ça veut dire qu'il faut les desservir. Et les desservir par la terre, c'est souvent long. Par la mer, ça peut être beaucoup plus rapide et plus régulier. Alors, on a là aussi des gains de temps qui peuvent être obtenus. Par exemple, la création du canal de Suez, qui va être l'occasion d'accélérer le transport vers les Indes. Et puis, euh, plus tard, surtout, mais ça c'est déjà plutôt on est dans les années 20, le canal de Panama qui évite d'avoir à contourner toute, euh, toute l'Amérique du Sud, par exemple pour les navires qui reviennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Donc ça, ça, ça change aussi beaucoup la vie. Donc on a tout ça qui se met en place parce qu'on a un monde qui est de plus en plus connecté et donc qu'on a besoin de faire transiter, que ce soit des marchandises ou des, des gens en fait. Et donc, au fur et à mesure des besoins. On va voir la technologie servir aussi un certain nombre de besoins. Par exemple, l'invention des cales réfrigérées. Ça peut paraître comme ça anodin, mais en fait, bah par exemple, la Nouvelle-Zélande produit beaucoup de moutons et de la viande de mouton comme ça, bah avec ces cales réfrigérées, dans des paquebots, ce qu'on appelle des paquebots mixtes, c'est-à-dire ils ont une partie passagers, une partie euh, marchandise. Bah ils vont transporter des, des tonnes et des tonnes de moutons congelés qui va pouvoir revenir en Angleterre. Donc on a des choses qui apparaissent comme ça euh, dans les années 1880, puis ensuite surtout euh, au début du XXe siècle, et qui vont être très très utiles, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est finalement le dernier grand enjeu, cet enjeu militaire qu'il faut jamais oublier en fait, parce qu'il est présent assez tôt, euh, avec cette idée que finalement, un paquebot, bon, en temps de paix, ça transporte des gens, mais en temps de guerre, ça peut aussi en transporter dans un but militaire. Et puis pareil, au lieu de transporter du matériel civil, eh ben, ça peut se mettre à transporter des munitions, des armes, et donc ça peut aussi servir dans ce but-là. Et ça, c'est un but dont on est conscient assez tôt. Compagnie française, il y en a pas mal de petites, mais les deux très importantes, c'est d'une part la Compagnie Générale Transatlantique et d'autre part la Compagnie des Messageries Maritimes. Et ce sont deux compagnies qui se répartissent vraiment le travail, c'est-à-dire qu'on est bien conscient qu'il n'y a pas forcément de place pour plusieurs compagnies françaises sur la même ligne, et donc on préfère plutôt les répartir. J'ai parlé tout à l'heure d'Empire colonial, et bien les Messageries Maritimes, c'est ça leur rôle. C'est vraiment desservir l'Empire colonial en Afrique et puis surtout en Indochine. Euh, C'est des, des lignes qui peuvent même parfois remonter ensuite jusqu'au Japon, mais en tout cas qui visent vraiment l'Indochine, les possessions françaises en Chine, les possessions françaises en Afrique de l'Ouest, ce genre de choses. Et donc là, ce sont vraiment des navires qui vont servir à la fois à transporter des administrateurs coloniaux, des militaires en permission, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, on a la Compagnie Générale Transatlantique qui, elle, au départ... Et créer, alors Elle est créée une première fois en 1855 sous le nom de Compagnie Générale Maritime, par des gens qui ne connaissent rien à la mer, et qui décident de bricoler en fait, ils décident juste d'investir dans tout ce qui concerne la mer, construction de navires, transport de gens, ils savent que de toute façon ça servira bien à quelqu'un, et le problème c'est qu'au début c'est tellement chaotique qu'ils qu savent pas trop dans quelle direction aller et que ça part très mal. Et puis en 1861, il y a un changement, c'est qu'il y a l'établissement par l'empereur le, Napoléon III d'une convention postale, c'est-à-dire qu'on subventionne les entreprises, et là, dans, dans ce cas-là, c'est une convention postale sur l'Atlantique, que ce soit pour desservir l'Amérique centrale, notamment le Mexique où l'Empire français a des intérêts de plus en plus grands, il va y avoir toute une expédition au Mexique assez complexe, donc je ne vais pas revenir là-dedans, et puis aussi vers les États-Unis, parce que malgré tout, il y a des échanges, et que c'est important pour des questions aussi de souveraineté nationale, finalement, de, de contrôler une partie de ces échanges, parce que, bah, par exemple, tout le courrier diplomatique, c'est vrai que c'est mieux s'il voyage sur des navires français que sur des navires de puissance qui pourraient devenir des rivales. Donc, en gros, en 61, il y a ce, ce décret impérial qui, qui pose la possibilité d'une subvention et donc la Compagnie Générale Transatlantique devient cette compagnie subventionnée par l'État pour assurer ce transport. C'est-à-dire qu'en échange d'une subvention annuelle, il faut s'assurer qu'il y ait tant de navires qui réussissent à desservir la, la destination prévue à telle cadence, à telle vitesse, etc. Et donc, euh, la compagnie générale transatlantique va rester toute sa vie, en fait, euh, sous cette perfusion, parce que c'est quand même quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent à la compagnie et qui lui permet d'être bénéficiaire. Sans ça, il y a pas mal de périodes où elle ne le serait pas. Euh, mais c'est du coup des subventions qui l'encouragent régulièrement à moderniser son matériel et à maintenir cette ligne. Parce qu'évidemment, l'important aussi, c'est de rester à hauteur de ce que fait la concurrence. Parce que si on, est de si on a des navires trop lents, euh, ben le courrier, il finira par passer par les navires anglais, donc euh, il faut se moderniser régulièrement. Et donc on a ça qui se met en place. Et alors petite particularité, c'est que la compagnie générale transatlantique va recevoir aussi une convention postale sur une autre ligne qui n'est pas du tout dans l'Atlantique, qui est en Méditerranée. C'est la ligne Marseille-Alger. Et cette ligne-là, notamment à la fin des années 1870, en fait, c'est celle qui rapporte le plus gros à la, à la compagnie générale transatlantique. Parce qu'évidemment, le trafic entre Marseille et Alger, du fait du statut de département français euh, des, des départements algériens, euh, ça génère beaucoup de courriers, beaucoup de circulation et donc euh, ça génère beaucoup d'argent. Alors que sur la ligne de l'Atlantique Nord et plus encore sur la ligne de l'Amérique centrale, on a, on va dire, une concurrence qui est plus rude et euh, les, les clients, on va dire, internationaux sont moins intéressés par les navires français au départ. Britannique, il y en a beaucoup euh, et certaines d'ailleurs qui ont des vies très éphémères parce que là pour le coup on est sur un marché beaucoup plus ouvert. Déjà, l'Angleterre c'est la puissance libérale par excellence, mais en plus c'est quand même celle qui est la plus privilégiée du point de vue des liens avec les États-Unis. Évidemment, euh, il y a des liens historiques euh, évidents, il y a le lien aussi par le fait qu'on parle la même langue, ce qui joue beaucoup quand même. De la même manière, des liens énormes avec le Canada, et puis la possibilité d'ouvrir des lignes secondaires vers l'Afrique du Sud, vers l'Australie, vers les Indes aussi. Donc tout ça joue beaucoup. Du coup, on a plein de compagnies qui se lancent, après, il y en a certaines qui prospèrent, il y en a d'autres qui coulent, il y en a certaines qui fusionnent, qui changent de nationalité, enfin, il y, a, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer comme ça. Mais en tout cas, il y a, il y a cet état de fait-là, qui est que de toute façon, un navire britannique, globalement, aura beaucoup plus de facilité à trouver une clientèle. D'autant que ceux qui pourraient concurrencer, ce sont les Américains, qui eux aussi, du coup, ont cet avantage de la langue internationale, finalement. Sauf que les Américains, très vite, vont être limités dans leurs possibilités parce qu'il euh, y a une loi aux États-Unis qui dit qu'un navire exploité par une compagnie américaine doit avoir été construit aux États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas de chantier naval performant comme les Britanniques. Donc, ils sont vraiment limités. Euh, ce qui fait que d'ailleurs, dans, dans toute leur histoire, assez souvent, les, les navires qui auront le plus de succès sous pavillon américain, ce seront des navires qui auront ouais. été le fruit d'une exception et qui, en fait, auront été construits à l'étranger puis réacquis par les Américains. Et autrement, les Américains sont parfois obligés de filouter, c'est-à-dire de créer une grosse société mère qui, en fait, chapeaute des compagnies plus petites et qui ont d'autres pavillons, des compagnies britanniques, belges même aussi, il va y avoir. Donc euh, on a ce, cette dynamique-là. Et on a vraiment, il faut bien imaginer qu'on a déjà des dynamiques internationales très importantes à l'époque, hein, y compris euh, au 19e siècle. Et donc finalement, on va voir naître deux grosses compagnies sur la période qui m'intéresse moi principalement, c'est-à-dire fin 19e, début 20e. C'est la Cunard Line et la White Star. La Cunard est très ancienne, elle date de 1840. Et c'est vraiment la, la ligne la plus sûre et la plus solide euh, sur la durée. Elle existe encore aujourd'hui, même si elle fait surtout des croisières maintenant. Mais en tout cas, c'est une compagnie qui a été très, très solide et qui a eu la chance aussi d'échapper à des naufrages en temps de paix qui auraient pu lui être fatales. La White Star a une histoire un peu plus chaotique, puisqu'elle est née deux fois, en fait. Une première fois en 1845, dans le cadre de cette ruée vers l'or, vers l'Australie. Puis bon, ils ont essayé les choses. Ils ont fait faillite une première fois dans les années 1860. Et là, elle a été rachetée par un entrepreneur de Liverpool, Thomas Ismay, qui en a fait une compagnie beaucoup plus solide. Et là, vraiment focalisée d'abord sur la ligne de l'Atlantique Nord, puis ensuite, il s'est intéressé à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie. Mais donc, on a ces deux compagnies qui sont rivales, mais rivales, on va dire, dans une certaine bonne entente quand même. C'est-à-dire que souvent, il y a une conscience que la ligne est assez grande pour deux. Et donc, bon, par exemple, euh, si on a des navires qui partent de la même ville pour la même destination, on va pas les faire partir le même jour. Comme ça, au moins, euh, ça permettra d'avoir de, des passagers qui peuvent s'adapter et choisir leur jour de départ. Ce serait stupide de les faire partir tous les deux le mercredi, par exemple, en faire partir un le mercredi, puis la rivale fera partir le sien euh, quelques jours après. Bon. On a ce genre de choses qui se mettent en place. On a aussi parfois des conventions internationales sur les tarifs pour éviter de se faire une concurrence trop déloyale. Et donc, dans tous les cas, il y a cette vivacité-là britannique, parce qu'au-delà de ces deux grandes compagnies, il peut y en avoir plein d'autres. Il peut y avoir des lignes très secondaires, il peut y avoir des compagnies qui se spécialisent dans du transport un peu plus de niche, des marchandises, mais malgré tout quelques, quelques passagers, ou vers des ports un peu plus de niche. C'est-à-dire que le port roi aux États-Unis, c'est New York, mais il y en a certaines qui vont choisir de desservir plutôt Boston ou Philadelphie ou Baltimore. Même si globalement il y a beaucoup moins de gens qui vont emprunter ces navires-là, comme ça, ça peut toucher une demande un peu plus ciblée. Donc il y a aussi ces, ces dynamiques-là qui se mettent en place. De façon générale, bon, la plupart des pays investissent dans des navires, mais ensuite, c'est vrai que euh... Pour une bonne partie des, des autres pays, euh, ce sont des, des outsiders très clairement. C'est-à-dire que par exemple l'Espagne euh, va avoir quelques paquebots, mais va pas en faire grand-chose. L'Italie, pareil. Alors pourtant l'Italie est un grand pays d'émigration. Bon, ils ont des paquebots, mais c'est rarement euh, des paquebots stars, sauf dans les années 20 et surtout 30. Et ensuite, on a le cas particulier. Alors, la Belgique est déjà un cas particulier parce que j'ai parlé de cette compagnie belge, mais qui en fait est possédée par des Américains. Ce qui fait qu'elle a un nom, elle a un nom alors, son nom officiel, c'est Compagnie anglo-américaine de, de navigation, euh, Anglo belgo-américaine -Belgo de navigation, mais dans les faits, tout le monde l'appelle la Red Star Line. Et du coup, c'est une compagnie qui, en plus, au début du XXe siècle, est mêlée au sein d'une grande entreprise qui regroupe tout un tas d'autres entreprises. La grande entreprise est américaine, mais les autres peuvent être de plein de nationalités différentes. Donc... Il y, y a vraiment ça qui joue, ce qui fait que c'est une compagnie belge, mais qui en fait est de culture américaine et, et britannique. Il y a des échanges de navires, pareil d'ailleurs, avec la White Star, des choses comme ça. Et puis surtout, elle bénéficie du fait que le port d'Anvers, c'est un, un port migratoire très important. Et puis ensuite, il y a les Allemands, qui eux, pendant longtemps, jouent un peu dans leur, dans leur coin, mais qui à la fin du, 20... du 19e siècle deviennent une grosse puissance. Avec deux compagnies, notamment la Norddeutsche Lloyd et puis la APAG, qui mettent en service de plus en plus de paquebots rapides, en fait, qui vont même avoir pour la première fois pour les Allemands des records de vitesse à partir de 1897. Et comme ça, ils vont faire cette entrée assez fulgurante jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après quoi, bon, bah, à la fin de la guerre, comme l'Allemand est perdant, on saisit tous les navires de l'Allemagne, ou presque, pour les versés en dommages de guerre aux compagnies britanniques et françaises, et américaines aussi un petit peu. Donc là, pour le coup, ils n'ont plus rien après-guerre, mais ils vont se reconstituer quand même à partir de la fin des années 20 et revenir sur le terrain à nouveau, notamment sur, du point de vue de la vitesse. Donc les Allemands sont présents, et les Allemands, là aussi, bénéficient d'un atout, qui est que leur position en Europe fait que déjà, ils ont une grosse masse de gens qui émigrent depuis la sphère germanophone. Que ce soit Autriche-Hongrie ou, ou l'Empire allemand, et d'autre part, il capte aussi le passage qui vient de l'Empire russe. Et euh, on lit parfois, alors j'ai pas pu vérifier ce fait, mais c'est probablement tout à fait attesté, que euh, les Allemands à certaines périodes, en fait, bloquaient les migrants à la frontière russe s'il n'était pas euh, dit qu'ils allaient partir sur un navire allemand. Donc comme ça c'est un moyen pour eux de s'approprier sa, un, un gros flux. Et effectivement, au début du XXe siècle, euh, les compagnies allemandes sont les plus grosses en termes de passagers transportés. Parce qu'elles reposent sur ces flux migratoires énormes, et puis aussi parce que, ben très vite, comme leurs paquebots sont modernes et de bonne qualité, et eh bien finalement on a des milliardaires américains qui vont se dire qu'après tout, pourquoi pas faire la traversée là-dessus, plutôt que sur des navires britanniques. Donc ça, ça vient se. Jouer aussi. Après, bon, on va avoir les Scandinaves, les Hollandais qui essaient des choses, qui ont quelques paquebots célèbres, mais euh, qui restent quand même vraiment de, de gabarit secondaire par rapport aux Britanniques. Déjà, euh, il faut qu'ils aient euh, tout un voyage organisé finalement, et donc souvent, ils vont se rendre auprès d'une agence spécialisée. Qui peut être lié à une compagnie spécifique ou à plusieurs et qui fait de la sous-traitance, hein. il y a, il y a des, des formats différents, mais en tout cas qui va se poser dans une ville des migrations, finalement. Ça peut être en Finlande, ça peut être en, enfin, en, Scandinavie, en Scandinavie en général, dans la sphère russe, en Europe du Sud. Bon, on a tout un tas d'agences comme ça qui, qui sont implantées et qui vont finalement souvent fournir, vendre aux migrants euh, tout le voyage, c'est-à-dire. Le train jusqu'à leur port d'embarquement, la traversée euh, transatlantique, et puis éventuellement aussi la suite parce que arriver à New York c'est une chose, mais souvent les passagers veulent aller encore plus loin après. Des fois ils vont même traverser tous les États-Unis jusqu'à la côte ouest. Donc il faut aussi prévoir tout ça. Donc ça souvent ce sont des agences qui sous-traitent, mais parfois ça peut être des agences qui sont liées à la compagnie justement pour essayer de récupérer un maximum de ce flux là. Et donc, si je prends l'exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire la compagnie générale transatlantique, bon, ben, très vite, ils vont installer des agences, effectivement, dans des villes, au moins dans des capitales européennes, par exemple, pour essayer de guider ces flux-là. Et ensuite, ils vont se rendre compte aussi que, ben, justement, les passagers, il faut qu'ils viennent de leur pays de départ jusqu'au port d'embarquement, donc par le train, souvent. Et dans ce cas, ben, pour essayer de favoriser leur port, donc en l'occurrence le Havre, c'est intéressant de faire en sorte que le voyage en train soit le plus agréable possible. Or, pendant longtemps, enfin en tout cas dans les années 1880, quand vraiment la Transat décide de s'y intéresser, elle se rend compte par exemple que ce serait intéressant de fournir des sièges à ses passagers, ce qui signifie qu'il n'y en avait pas forcément dans les wagons jusque-là, que c'est bien que les wagons soient vraiment aérés, ce qui signifie que jusque-là, peut-être qu'il y avait des voyages qui pouvaient se faire dans des wagons qui étaient proches du wagon à bestiaux. Bon, donc là, on voit apparaître des wagons beaucoup plus décents, par exemple, avec cette idée que bon... Euh, oui, vu qu'ils vont devoir avoir au moins euh, 7, 8, euh, parfois 10 heures euh, depuis le sud de l'Europe ou l'Europe centrale jusqu'au Havre, autant les leur faire faire dans des conditions décentes. Et que ça, ça va permettre de capter des gens qui autrement auraient pu partir bah, vers le port d'Anvers dont je parlais tout à l'heure, ou vers Brême, ou vers ce genre d'endroit. Et donc, il euh, y a aussi cet investissement qui va se faire justement du côté du train alors c'est pas forcément la compagnie elle-même qui va affréter les trains, mais elle peut s'associer avec d'autres entreprises, enfin, il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place comme ça. Quand, effectivement, il n'y a pas de concurrence, c'est vrai que l'enjeu est moindre. Quand il y a de la concurrence, ça devient plus, plus difficile, et c'est pour ça que le cas français est intéressant, parce que, par exemple... Pour que des immigrants italiens choisissent de monter jusqu'au Havre, alors que peut-être qu'il y a des paquebots qui partent de Sicile ou de Naples ou de Trieste, bon bah, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui leur soit proposé qui, qui rende la chose intéressante. Donc, déjà, il y, y a ça qui va venir jouer, évidemment. Ensuite, bon bah, effectivement, les compagnies peuvent se réveiller plus ou moins tard sur tout un tas de choses. Par exemple, c'est vrai que pendant longtemps, un impensé, c'est comment vont survivre ces migrants entre le moment où ils descendent du train et le moment où ils embarquent, parce que parfois il peut se passer plusieurs jours. Et pendant longtemps, c'est très précaire tout ça. Donc il euh, y a des espèces de camps de fortune, il y a des choses euh, vraiment difficiles, ou des hôtels sur place, mais qui ne sont pas forcément accessibles. Et donc on a des compagnies qui parfois vont finir par investir, quitte à le faire à plusieurs. Par exemple, à Cherbourg, c'est la Cunard et la White Star qui s'associent pour le faire, pour créer des hôtels de migrants. Et donc ces hôtels de migrants, ce sont des endroits où on va les héberger, mais autant qu'à faire, on va aussi leur faire passer tout ce qui est procédure sanitaire, parce que euh, pour entrer aux États-Unis, il faut vérifier qu'on n'est pas porteur de maladies, de choses comme ça. Et donc bah, c'est aussi simple de le faire dans un établissement dédié, par exemple. Mais ça, dans le cas de Cherbourg, par exemple, ça vient très tard, ça vient euh, juste après la Première Guerre mondiale, si je ne me trompe pas, et en fait on est à un moment où déjà le, le flux migratoire va commencer à diminuer. Donc ça veut dire que jusque-là, c'était quand même moins organisé. Donc c'est quelque chose que les compagnies font, mais elles le font vraiment quand le besoin se fait sentir et quand il n'y a pas vraiment le choix finalement. Tout ça, ça évolue beaucoup avec le temps. Euh, si je prends le cas du Titanic, la traversée va durer sept jours par exemple. On part le mercredi midi et on arrive le mercredi à New York. Mais euh, le Titanic, à son époque, n'est pas le paquebot le plus rapide. Si on embarque sur le Mauritania ou le Lusitania, on met presque un jour de moins. Donc, euh, c'est encore plus intéressant si on est pressé. Inversement, la White Star a tout un tas de navires qui sont au contraire conçus pour être plus lents. C'est-à-dire que le Titanic va faire du 21 nœuds ceux-là vont en faire du 16. Ça veut dire qu'à traverser, au lieu de la faire en 7 jours, ils vont peut-être en mettre 10. Mais du coup, ils consomment moins de charbon. Donc, ça coûte moins cher de voyager à leur bord. Donc, il y a tout ça aussi qui vient jouer, c'est-à-dire est-ce qu'on est pressé ou est-ce que finalement on préfère voyager euh, tranquillement, on n'est pas au jour prêt, et dans ce cas on peut payer moins cher. Donc tout ça va jouer, et euh, si on revient euh, dans les années 1870, par exemple, bon, là la traversée, ça peut être déjà beaucoup plus une affaire euh, de presque deux semaines. Donc euh, tout change évidemment avec le temps. Et aussi, du coup, en fonction du navire, puisque euh, ces navires qui sont mis en service, par exemple, en 1870, bah, ils vont continuer à servir jusque peut-être au début du XXe siècle, sauf que ce sera évidemment plus les navires de, de le premier plan de la compagnie à ce moment-là, ils seront dépassés. Mais justement pour du transport de migrants, ils pourront servir ou du transport sur des lignes secondaires ou ce genre de choses. Donc bon, bah, dans ces cas-là, la traversée est plus lente. Ensuite sur le prix, bon, bah, là aussi ça dépend de plein de facteurs. Déjà du nombre de personnes, ça, ça va être le plus important. De la présence d'enfants ou non. Et puis ensuite, bah comme je l'ai dit, du navire, hein, selon qu'on prend un navire moderne ou pas, selon qu'on prend un navire rapide ou pas, etc. Pour prendre précisément l'exemple du Titanic, à bord du Titanic, un billet de troisième classe pour adultes coûte un peu plus de 7 livres sterling, ce qui paraît de loin comme ça très peu. Sauf qu'en fait, c'est 7 livres sterling de 1912, à une époque où ça représente globalement deux mois de salaire d'un ouvrier. Aujourd'hui... Les 7 livres sterling que coûte euh, le voyage pour une personne à bord du Titanic en troisième classe, ça représenterait plutôt un bon millier d'euros. Voilà, ça, ça fluctue beaucoup, mais euh, voilà. ce qui veut dire que du coup, dès qu'on part sur une famille qui, elle, euh, bon, euh, quand on a quatre personnes, par exemple, on va déjà taper euh, pour deux, deux adultes, deux enfants, dans une vingtaine de livres sterling. Donc là, on est déjà pas loin, plutôt de six mois de salaire. Et donc, euh, ben, sur le Titanic, le plus gros cas, ça va quand même être une famille où ils sont 11 en tout. Donc là, euh, il faut déjà imaginer, oui, un, un prix qui est quand même euh, très élevé pour ces familles-là. Et donc, il faut bien comprendre que ce voyage-là, même si euh, il est bien moins coûteux qu'une place en deuxième ou, ou première casse, ben, c'est un investissement quand même, pas forcément parce qu'on est pauvre au départ, ça, je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais parce que ben, quand on voyage avec toute la famille pour partir s'installer quelque part, etc., c'est de toute façon un investissement assez conséquent. En première classe, justement, euh, on envoie des populations au pluriel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la première classe d'un navire comme le Titanic, il y a des différences de prix euh, qui peuvent aller, euh, enfin je pense qu'il faut multiplier au moins par 10, mais je, je me demande même si ce n'est pas 100 entre la cabine la moins coûteuse en première classe et la plus coûteuse. Euh, parce que euh, selon qu'on a une cabine classique euh, avec juste un lit, une armoire, une table de toilette, un canapé, ou qu'on a une suite avec plusieurs, euh, plusieurs pièces sanitaires, salons, voire promenades privatives, on n'est clairement pas sur du même prix. Donc déjà il y a ça qui joue, ce qui fait que oui euh, la première classe on y a des milliardaires, des gens comme ça. On peut avoir aussi des gens qui sont euh, bon de classe moyenne très supérieure on va dire euh, c'est-à-dire euh, des hauts gradés militaires ou des militaires euh, qui ont fait une bonne carrière, des euh, chefs d'entreprise, des entrepreneurs, euh, des avocats, des médecins, des gens comme ça. Donc euh, bon c'est pas à la portée du premier venu mais c'est pas non plus euh, forcément totalement prohibitif non plus après là encore ça dépend du navire parce que justement sur ces navires plus lents dont je parlais tout à l'heure euh, ben, on va pouvoir avoir dans certains cas un billet de première classe pour le prix de ce qui aurait coûté euh, enfin pour le prix qu'aurait coûté une cabine de, de deuxième sur un navire plus rapide donc des fois quand on veut faire la traversée plus confortablement quitte à y passer trois jours de plus bon, ben, on peut comme ça jouer sur ce genre de choses donc c'est vrai qu'il y a tout ça qui, qui joue, évidemment. Mais donc la première classe, c'est une classe qui est assez diverse. Euh, ça, c'est très évident. Ensuite, derrière, on a la deuxième qui sert plus d'intermédiaire, qui est là vraiment une classe moyenne qui se développe. Euh, C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas voyager en première, parce qu'il y a aussi des gens qui considèrent que la première, c'est vraiment un endroit qui est quand même aussi assez guindé dans le sens où il y a des conventions sociales beaucoup plus fortes qu'en seconde. Et donc là aussi, en seconde, on va trouver des ingénieurs, des prêtres, euh, tout un tas de gens, notamment ben, justement de ce monde colonial, c'est-à-dire des gens qui rentrent des colonies ou qui y vont. C'est pour ça que je parle notamment de prêtres, parce qu'il y a tout un tas de missionnaires qui peuvent voyager là-dedans. On peut avoir des, 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 là aussi des, des petits entrepreneurs, des universitaires, euh, des, des savants, tout, toute cette classe moyenne finalement, qui peut se retrouver à bord dans cette classe-là. Et donc la troisième classe. Hein, va être là aussi très, très diverse, puisque justement, euh, elle va récupérer tous ceux qui ne peuvent pas voyager au-dessus, mais pas forcément, comme je disais, parce qu'ils sont trop pauvres, ça peut être aussi parce que ben, au lieu d'être 4, ce qui aurait pu leur permettre de voyager en deuxième, ils sont 10, et donc là, c'est vraiment trop cher, donc on va voyager en troisième, par exemple, donc ça peut jouer aussi. Très variable. Euh, si je prends par exemple les navires que met en service la White Star en 1870, il y a de la place théorique pour 166 passagers de ce qu'on appelle à l'époque la classe cabine, qui est l'équivalent de la première classe, mais on l'appelle pas encore comme ça parce qu'il y a pas de deuxième classe encore à bord à l'époque. Et puis il y a un millier de ce qu'on appelle l'entrepont, c'est-à-dire la troisième classe. Donc là déjà on voit la différence 1666 pour la pre... non, 166 pour la première, un millier pour la deuxième. Euh, maintenant, euh, dans les faits, est-ce que ça voyage toujours à plein C'est pas garanti. C'est-à-dire que, par exemple, en troisième classe, souvent le voyage aller, dans le sens Europe-États-Unis, est beaucoup plus rempli que dans le sens retour. Alors, au point que des fois, d'ailleurs, on transforme les dortoirs de troisième classe en cales, Dans ces cas-là, au lieu de transporter des gens, on va transporter des marchandises. Il y a même une époque où on les transporte en, on les transforme en transport de bétail. À l'aller, on transporte des gens. Au retour, on transporte du bétail parce que les États-Unis en produisent beaucoup et comme ça, on le ramène vers l'autre côté. Donc, euh, il y a tout ça qui peut venir s'installer dans, le, dans, dans, dans les considérations à prendre, en tout cas. Ensuite, dans le temps qui va passer, globalement, ça va fluctuer. Généralement, la troisième classe reste la plus grosse jusqu'à la Première Guerre mondiale au moins et un petit peu après. Ensuite vient la première, qui est généralement assez copieuse, et puis enfin la deuxième, qui est souvent la plus petite. Mais là encore, ça peut varier selon le navire, selon les objectifs qu'on lui destine aussi. C'est-à-dire que des fois, on peut décider qu'un navire sera totalement consacré à de la troisième et à de la deuxième, parce qu'il est plus lent, qu'il est moins luxueux, et comme ça, ça lui permet de voyager dans de meilleures conditions. La France va faire ce genre de pari sur certains de ses navires, par exemple. D'autres fois, euh, on va avoir un, un pareil qui sera un petit peu inverse. On mise avant tout sur la première classe et puis le reste, on le soigne beaucoup moins. Donc, c'est aussi des choix selon les navires. En première classe, on est très clairement avant tout sur du voyage de loisirs ou de travail. Parfois cumulé d'ailleurs, parce que comme on a quand même pour une bonne semaine de traversée aller, une bonne semaine retour. Souvent, c'est vrai que si on doit faire un voyage d'affaires de l'autre côté, on peut le cumuler avec des vacances, avec quelque chose. Ou inversement, on a envie de partir prendre des vacances en Europe, on va en profiter pour se, se poser un certain nombre d'escales, de, on va dire, de travail. Après, là encore, ça dépend de plein de gens. Euh, là, si je prends l'exemple du Titanic, on peut y trouver des gens qui sont en voyage de noces, par exemple. On peut y trouver des gens qui partent pour leurs études. On peut y trouver des gens qui font un voyage qui, qui reviennent de vacances, d'autres qui font vraiment le voyage pour leur travail. Donc, on a vraiment de tout. Après, on a aussi en première classe qu'on pourrait presque qualifier de migration saisonnière, c'est-à-dire que par exemple, on va avoir des gens souvent très riches qui considèrent que les mois euh, d'hiver, globalement, ne sont pas très agréables à passer sur la côte, euh, sur la côte est des États-Unis, ça peut être très froid, et qui vont du coup se dire, bon, ben voilà, pendant 3, 4, 5 mois, je pars en Europe. Et donc, dans ces cas-là, ils vont en Europe, d'ailleurs, dans une dimension très élargie, euh, c'est-à-dire qu'ils vont aller effectivement passer un moment à Paris, puis aller voir quelque chose en Italie, par exemple, mais ils peuvent aller aussi se permettre une petite excursion en Égypte, des choses comme ça. Donc, il euh, y a aussi tout ça qui, qui vient jouer. Et donc, on est vraiment là dans, dans ces différents modes de, de voyage qui se mélangent. La deuxième classe, ça va être sensiblement la même chose, même si on peut avoir aussi une immigration, euh, enfin, un, un, voyage, euh, un voyage définitif. Mais on est quand même souvent en deuxième classe euh, sur du voyage euh, d'agrément quand même plutôt. Mais là encore, ça peut être du voyage d'agrément de, de long terme. Par exemple, j'ai en tête un passager de deuxième classe du Titanic, Lawrence Bisley, qui est un universitaire à la base, un scientifique. Bon, à euh, bah, cette, euh, cette époque-là, il vient de lâcher son travail en Angleterre pour quelques temps, pour partir voir de la famille aux États-Unis et en profiter pour faire tout un périple aux États-Unis. Mais il a quand même l'intention de revenir ensuite euh, au Royaume-Uni. Donc il y, y a toutes ces dynamiques-là qui jouent reste que là aussi, comme je disais, ce qui peut faire la différence avec la troisième, c'est que ben, par exemple, quand on émigre, mais qu'on n'est que trois et puis qu'on est plutôt dans une classe moyenne, bon ben, finalement euh, la deuxième classe est quand même plus confortable que la troisième. Par contre, c'est vrai que quand on est onze, bon ben, pour même le statut social, on va plutôt passer en troisième. Alors en troisième classe, on voyage pour en fait une raison principale qui est l'immigration, mais dans les faits. Euh, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, parce que souvent on a cette image un peu caricaturale des migrants qui abandonnent tout derrière eux pour un monde nouveau qui est l'Amérique, avec le fameux rêve américain, etc. Et c'est une image, évidemment, que les États-Unis eux-mêmes nourrissent beaucoup, puisque ça fait partie, d'une certaine manière, de leur, de leur héritage, et ça leur donne une image valorisante, finalement, de terre d'accueil, de terre où tout est possible, etc. Le problème, c'est qu'en réalité, on constate qu'il y a quand même une part non négligeable, peut-être un quart, de ces gens qui sont partis aux États-Unis qui en sont revenus. Donc, ce qui déjà euh, donne une autre, euh, une autre image de tout ça, c'est que finalement, il y a une partie des gens qui, ou bien n'avaient pas l'intention de s'y installer durablement, ou bien en sont repartis parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils étaient venus chercher, et donc que les États-Unis n'ont pas su accueillir, ou en tout cas garder. Donc, euh, évidemment, déjà, ça, ça nuance un petit peu. Mais d'autre part, même quand on part vivre plus définitivement aux États-Unis, ça ne veut pas pour autant dire qu'on coupe totalement le contact avec la famille au pays, par exemple. Et donc, on peut avoir ce qu'on peut appeler des migrations temporaires de retour, d'une certaine manière. Si je prends le cas du Titanic, on a à bord quelques Finlandais qui étaient déjà partis s'installer aux États-Unis, qui sont revenus quelque temps en Finlande. Pour voir la famille, pour y vivre, tout simplement, quelque temps, mais qui repartent à nouveau aux États-Unis. Et on a la même chose avec des Irlandais. Et puis, on peut avoir aussi des sortes de liens de solidarité qui se créent à travers l'océan, parce qu'on ne perd pas la communication. Il y a le câble transatlantique et le courrier qui permettent quand même d'être en communication. Et donc, finalement, bah des fois, on sait que tel cousin est parti s'installer à tel endroit, donc on a des contacts avec lui. Puis bon, on va avoir un père de famille, par exemple, qui va partir une première fois sur place pour voir s'il peut trouver du travail, comment ça peut se passer, si c'est confortable, si c'est agréable, etc. Puis qui va revenir au pays, le temps d'économiser suffisamment pour pouvoir repartir cette fois-ci avec la famille, par exemple. On a tous ce genre de choses-là qui peuvent venir se mettre en place. Bon, puis d'autre part, on ne part pas toujours pour le même genre de travail parfois, c'est vraiment dans un but d'élévation sociale. Euh, à bord du titanic, par exemple, on a des gens qui voyagent en troisième classe parce qu'ils ont acheté un, une propriété aux états-unis. Euh, on en a qui, a, qui partent pour s'installer dans le kansas euh, pour tenir un bureau de tabac, par exemple. on en a d'autres, à l'inverse, qui ont acheté eux une grande ferme en floride. Donc là, on est sur des gens qui ne sont pas complètement pauvres, hein, puisqu'ils sont propriétaires et qu'ils ont une perspective assez enthousiasmante finalement. On en a d'autres qui partent parce qu'ils euh, considèrent qu'ils auront des débouchés plus prospères dans leur activité. J'ai en tête, par exemple, un, un homme qui manifestement euh, est négociant dans le, dans le cuir. Je pense que j'aurai le cas de reparler de lui plus tard pour d'autres raisons, mais en tout cas... Lui, pour le coup, il est parti de Pologne. Il s'est installé d'abord en France, puis au Royaume-Uni, puis il va finir aux États-Unis sur la côte ouest. Et à chaque fois, c'est comme travailleur de, du cuir et notamment comme marchand de sacs. Bon, il y a une continuité dans son activité. Alors, on ne sait pas précisément comment il l'a menée à chaque endroit, mais manifestement, il avait un intérêt à aller s'installer là-bas pour la pratiquer, probablement dans de meilleures conditions, avec de meilleurs débouchés. Bon puis on va avoir des gens qui vraiment y partent parce que ben ils auront un meilleur travail ou en tout cas un travail plus plus rentable, rémunérateur que chez eux. Par exemple, j'ai en tête euh, ce français qui travaille dans les mines du Nord-Pas-de-Calais et qui se rend compte qu'il y a des mines au cœur des États-Unis qui sûrement lui fourniront un meilleur travail ou en tout cas un travail plus rentable. Donc il y part tout d'abord et il y part et c'est pas anodin avec son fils de 10 ans qui, du coup, lui, n'est pas en âge de travailler en France, mais qui, par contre, pourra légalement travailler aux États-Unis. Donc, comme ça, il y aura de l'argent en plus. Donc, il fait ça d'abord. Et d'ailleurs, on le voit qu'il part avec une femme qui n'est pas la sienne et l'enfant de cette femme. Donc, on a pu supposer au départ, peut-être que c'est sa maîtresse, peut-être qu'il part refaire sa vie avec elle. Mais pas de chance, il reste en contact avec sa femme, qu'il va faire venir avec lui après. Donc, a priori, ça ne peut pas être sa maîtresse. Quand on part avec sa maîtresse pour refaire sa vie, on ne fait pas venir sa femme et les enfants avec juste après. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a ça qui se met en place. C'est-à-dire qu'il est parti en premier en éclaireur parce qu'il n'avait probablement pas l'argent pour faire venir toute la famille d'un coup. Ensuite, il a les aînés de ses enfants qui sont des adultes qui font la traversée sur d'autres navires. Donc là, on est en 1911. Tout ça, ça se passe en 1911. Ils font la traversée sur d'autres navires. Il s'installe euh, dans un cas même euh, avec sa propre famille euh, aux États-Unis. Et puis ensuite, on va avoir un autre enfant qui, lui, n'a que 13 ans mais qui là aussi est en âge de travailler, donc va faire la traversée tout seul, cette fois-ci, sur un paquebot français, de la France jusqu'aux États-Unis. Alors là, quand même, comme c'est un enfant tout seul, il se fait arrêter en chemin. Euh, à Ellis Island, à l'entrée aux États-Unis, on ne veut pas d'un enfant tout seul dont on ne sait pas ce qu'il va devenir, donc on l'interne pendant une bonne semaine, et là, son père dit, non, non, c'est bien mon fils, il va venir travailler avec moi, et donc ça passe. Et puis finalement, le reste de la famille, c'est-à-dire la femme et les enfants qui ne sont pas en âge de travailler. Vont faire la traversée en avril 1912 à bord du Titanic. Et donc l'issue tragique, c'est que ben, cette famille, qui en plus ne parle que le français à bord du Titanic, la mère et tous ses enfants vont mourir dans le naufrage. Et donc euh, ce père qui du coup se retrouve seul avec ses aînés aux États-Unis, bon ben ses deux enfants majeurs vont rester faire leur vie aux États-Unis, mais lui va essayer de solliciter des, comment dire, un fonds de secours en fait pour les familles des victimes. Ce qui fait que les États-Unis s'intéressent d'un peu près à, peu près à son, sa situation, se rendent compte qu'il est rentré sous un faux nom aux États-Unis, et donc le renvoie en France avec ses enfants mineurs. La dernière catégorie qu'il ne faut pas oublier quand même, ce sont des gens qui émigrent pour raisons politiques. Ça peut être pour fuir des pogroms, notamment tout un tas de juifs d'Europe de l'Est. Ça peut être pour fuir un régime politique. J'avais trouvé par exemple un article de journal qui parlait de l'Italie euh, à l'époque où elle était sous la dictature d'un homme qui s'appelait Crispi. Et il euh, y avait notamment euh, des projets de service militaire renforcés, et donc il y avait tout un tas de gens qui fuyaient l'Italie pour ne pas faire ce service militaire, et donc euh, qui passaient comme ça, qui se retrouvaient à la gare Saint-Lazare pour ensuite partir par Cherbourg, par Le Havre, pour arriver aux États-Unis. Donc on a ce genre de choses euh, sur le Titanic. J'ai souvenir, je pense que c'est un Suédois qui part parce qu'il est un peu trop immatriculé socialiste et qu'on l'a plus ou moins chassé de son pays. Donc il y a comme ça aussi ce, ce genre de, de dynamique-là qui joue. Comme toujours à cette période, le problème, c'est que tout dépend du navire, déjà parce qu'on a une évolution très rapide, et qu'évidemment, un navire a une durée de vie, en général, on dit 25 ans, des fois ça peut même être un peu plus, et ce qui est vrai au moment de leur mise en service n'est plus du tout vrai euh, 25 ans plus tard, évidemment. Et donc, typiquement sur l'hygiène, c'est le cas, c'est-à-dire que par exemple, en 1870, euh, enfin 71 pour être exact, le premier navire de la White Star Line nouvelle génération on va dire, qui s'appelle l'Océanique. On le surnomme à l'époque le Yacht Impérial, donc c'est vraiment que c'est un navire très luxueux. Bon mais Pourquoi il est si luxueux que ça Parce qu'en première classe, il y a une grande salle à manger qui sert aussi de salon, de lieu de détente pour la première classe, qui est au centre du navire, là où ça vibre moins, et il y a, attention, tenez-vous bien, trois baignoires. Pour 166 passagers de première classe. Et à l'époque, c'est radicalement extraordinaire, parce que déjà, l'eau courante à bord d'un pas de beau, c'est formidable. Et donc, on voit là déjà que, bon, évidemment, en troisième classe, par contre, pas de baignoire ni rien. Donc, on voit déjà que là, le standard attendu en 1871, il est quand même pas bien haut. Si on passe maintenant en 1912, bon, ben bah là, évidemment, trois baignoires pour les passagers de première classe, ça ne suffit plus. Cela dit, on est encore très loin de la salle de bain individuelle en première classe sur le Titanic. Euh, la plupart des passagers de première classe, y compris des aristocrates, ne sont pas du tout choqués de devoir aller dans des toilettes communes sur le palier et de devoir réserver leur baignoire à l'avance auprès d'un steward, parce qu'après tout, euh, on va leur préparer leur bain, leur baignoire aura été nettoyée juste avant et tout ça, donc ça, ça reste tout à fait digne, hein. euh, mais simplement, on n'est pas encore dans de l'hygiène privative. Mais comme le rapport à l'hygiène est différent, comme notamment pour les hommes, se laver trop souvent, ça serait presque vu comme euh, un doute sur leur, euh, sur leur masculinité. Bon, ben, finalement, ça correspond encore à peu près aux usages. Et puis alors, euh, quelques années plus tard, et notamment après la Première Guerre mondiale, ça sera différent. Les gens attendront beaucoup plus des salles de bain privatives. Et donc, plus le temps va passer, plus on va en ajouter sur les navires. Mais là encore, on peut bien faire quelques petits ajouts, reconvertir des cabines en, en salles de bain, par exemple, des choses comme ça. Mais euh, vient un moment où on est limité par la structure même du navire qu'on ne peut pas complètement refondre. Donc l'évolution, elle n'est pas toujours euh, immédiate. Et donc en troisième classe, là on est sur quelque chose d'évidemment très différent, puisque je vous ai dit, euh, en 1870, euh, s'il n'y a déjà que deux baignoires ou trois en première, il n'y aura rien en troisième. Bon, euh, on est à l'époque sur des grands dortoirs où on est entassé. Où il n'y a pas beaucoup d'aération et ça va être un problème constant euh, pour les, les compagnies maritimes d'aérer ces points inférieurs pour que l'air y soit à peu près sain, parce que euh, je vous laisse imaginer quand on entasse là-dedans euh, 140 personnes parfois au maximum, que ces personnes y mangent, ils sont malades aussi assez souvent, trop souvent. Pour certaines, ils font leurs besoins quand elles n'ont pas eu le temps d'aller trouver les quelques vagues toilettes. Alors euh, sur certains paquebots français, par exemple, on appelle ça des bancs creux. Ça ressemble un peu à ce qu'on trouve dans les châteaux médiévaux, c'est-à-dire que c'est sur le bord du navire et ça tombe directement dans la mer. Donc euh, là aussi, euh, bon, par exemple, euh, sur certains paquebots français où il y a de la place pour dans les 800 passagers de troisième classe, euh, bon, euh, on trouve huit bancs creux pour tout ce beau monde. Donc on peut supposer là aussi que euh, c'est l'hygiène de, de fait est, est rendue difficile. Comme en plus la troisième classe est souvent dans les ponts inférieurs du navire. Ce sont les ponts qui sont les plus difficiles à ventiler parce que dès que la mer est agitée, on peut pas ouvrir les hublots. Pour peu qu'il y ait des hublots à ce niveau-là. Donc déjà, c'est tout ça est compliqué. Et donc là aussi, bon, bah, évidemment, ils ont un bout de pont extérieur pour s'aérer un petit peu. Mais ça, c'est si la mer est bonne. Parce que s'il pleut tout du long, qu'il y a une vraie tempête, des paquets de mer et tout ça, euh, surtout sur les plus petits paquebots, ben bah, ça veut dire qu'on va passer la traversée dans le dortoir. Et donc, encore une fois, si on prend 140 personnes qui ne se lavent pas, qui sont enfermées dans le même dortoir pour 10 jours, qui n'ont souvent pas de tenue de rechange et qui en plus mangent dans la même pièce et laissent leurs déchets alimentaires dans la même pièce, ça fait très vite des odeurs insoutenables. Et donc, ça, c'est ce qui ressort le plus dans les descriptions de l'entrepont par des gens qui souvent ne viennent pas de ce milieu-là c'est l'odeur. Beaucoup de journalistes qui essaient de voyager dans en troisième classe disent en fait que l'odeur les a empêchés d'y rester. Alors évidemment après il y a une question d'habituation aussi. Euh, C'est pas forcément le même milieu social et donc on peut avoir des gens qui en troisième classe ont déjà plus l'habitude de vivre dans ces odeurs là. Mais enfin ça reste des conditions qui indignent beaucoup de monde. Donc il y a déjà cet aspect là qui joue sur l'hygiène. Après là aussi il y a une évolution. Sur le Titanic par exemple pour la troisième classe il y a deux baignoires pour une capacité d'un millier de passagers, mais c'est quelque chose de radical par rapport à une époque où il y avait vraiment rien pour se laver. Et du reste, l'équipage n'a pas de baignoire. En général, en fait, on peut supposer que pour l'équipage et la troisième classe, plus que les baignoires, ils vont utiliser des sortes de grands lavabos qui servent à faire une toilette rudimentaire, mais déjà qui servent à faire une toilette. Et en tout cas, du point de vue des sanitaires, des toilettes, euh, là, on en trouve suffisamment en troisième classe sur le Titanic pour que ça ne pose plus de problème, sauf qu'en fait on se heurte à un autre souci, qui est qu'on voit que des stewards racontent que les passagers ne savent pas toujours s'en servir par contre. Ils n'ont pas forcément le réflexe d'y aller, techniquement il y a même une membre d'équipage qui est chargée de, le, de leur expliquer, et aussi de surveiller les femmes pour éviter qu'il leur arrive des, des soucis, mais malgré tout, trop souvent en fait, on se rend compte que il ben, y en a certains qui euh, la nuit vont plutôt chercher un coin sombre en fait, pour faire leur affaire, parce que euh, c'est le plus simple pour eux. Du point de vue de la sécurité, justement, ça va être un problème en troisième classe euh, et avant ça dans ce qu'on appelle les entrepôts, parce qu'on a très peur de la, de la promiscuité, surtout entre hommes et femmes célibataires. Pour une raison avant tout euh, qui tient de la moralité, hein, beaucoup plus que de la peur des agressions sexuelles euh, en tant que traumatisme pour les femmes, on a peur surtout de se retrouver avec des femmes qui arriveraient aux États-Unis en ayant été mises enceintes à bord du navire et qui étant célibataire se retrouverait mère isolée aux états unis? Et, or les mères isolées sont, font partie des catégories de personnes que les états unis rejettent à l'entrée. donc euh, ça aussi joue dans le fait que on est particulièrement sensible à ce que ça n'arrive pas. ensuite évidemment il y a des personnes qui aussi pour des raisons humanistes disent ce n'est de toute façon pas possible qu'on laisse des hommes ou des membres d'équipage venir violer des femmes seules à bord des navires. Donc là, on va prendre des dispositions assez tôt, notamment une séparation genrée, les femmes seules à l'arrière, les hommes seuls à l'avant, comme c'est aussi à l'avant que se trouvent les dortoirs de l'équipage, on fait d'une pierre deux coups, et puis, au milieu, on va mettre les familles, et éventuellement les locaux techniques aussi, euh, et comme ça, on a une séparation effective euh, des dortoirs, et on a Beaucoup moins de risques du coup. Ensuite, sur des paquebots plus modernes comme le Titanic, euh, où là on a plus de dortoirs, on a beaucoup plus des cabines, on garde quand même cette séparation, mais malgré tout, les passagers vont beaucoup plus être amenés à se fréquenter parce qu'au lieu de manger dans leur dortoir ou leur cabine, maintenant ils ont une salle à manger, ils ont des choses comme ça. Même si théoriquement il reste une séparation entre célibataires dans les salles à manger, bon, on a malgré tout beaucoup plus de, 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 de possibilités de rencontre en tout cas. Et donc là, malgré tout, la séparation des, des lieux de logement reste théorique. Et euh, notamment, il semble qu'on ait commencé à faire installer des verrous sur les portes pour permettre aux femmes de s'enfermer pour éviter les problèmes. Donc là, on a aussi des choses qui évoluent. Et en tout cas, j'ai trouvé des articles de, de presse des années 1900 qui montrent qu'on a, aux États-Unis en particulier, des personnes qui sont sensibles à cette question, qui lancent des commissions d'enquête. Pour, ce, pour documenter ce phénomène des agressions à bord, pour le, le quantifier aussi, et pour essayer de l'enrayer autant que possible. Donc ça veut dire que le phénomène existe encore malgré les mesures qui sont prises, mais qu'on prend des mesures pour lutter contre. Ce qui est le plus important quand même, c'est aussi euh, ben, le sommeil et la nourriture. Et là, on le voit ressortir dans les discours des journalistes. Euh, le sommeil, c'est un sommeil qui est là aussi à l'époque des grands dortoirs euh, un sommeil de promiscuité totale. J'ai un journaliste qui a une très belle euh, formule qui dit qu'il était séparé de son voisin par euh, une ligne presque par une barrière de fer qui formait une ligne presque aussi imaginaire que l'équateur. Donc en gros, euh, bon même si on est sur des lits alors c'est des lits superposés qui font en fait un peu penser aux au camps de concentration. Hein. Très clairement, on est dans un espace qui est presque carcéral. Et donc oui, l'espace est très réduit, souvent, surtout que souvent le passager se voit sommé, en tout cas dans les époques les plus remontées, se voit sommé d'acheter ce qu'on appelle un kit. Il doit acheter euh, sa petite vaisselle en quelque sorte, la, la timbale dans laquelle il va boire, la petite assiette en fonte dans laquelle il va manger, etc. Et puis éventuellement aussi sa paillasse, ce sur quoi il va dormir, parce qu'on ne leur fournit pas de drap, notamment parce que pendant longtemps, il y a cette crainte des compagnies. Qui là aussi, considérant que les passagers ne sont pas habitués aux draps, ce qui est parfois vrai, hein, euh, risque de les utiliser pour s'en faire des vêtements. Ce qui est un risque manifestement réel, mais qui du coup fait que les passagers voyagent là aussi dans des conditions encore pires. Donc on leur demande de, de se procurer leur, leur matériel finalement. Et tout ça aboutit au fait que comme en plus on est dans des grands dortoirs, il n'y a pas vraiment d'espace personnel à part cette couchette. Et donc qu'en plus dans la couchette, souvent on y dort avec ses bagages qui souvent sont réduits à peu de choses, parce qu'il est beaucoup plus rentable finalement de tout vendre d'un côté et de tout racheter de l'autre. Mais enfin, malgré tout, justement, euh, comme on a souvent un peu d'argent, en tout cas c'est bien, euh, il faut aussi euh, les garder, veiller dessus pour pas se les faire voler pendant la traversée, ce qui peut arriver si on a un voisin euh, un, peu, euh, <laughs> un, peu moins, un peu plus criminel que soi. Donc il y, y a tous ces problèmes-là qui jouent aussi. Et donc, euh, évidemment, petit à petit, on va changer les choses, notamment avec euh, la mise en place, à partir des années 1890, sur les paquebots britanniques, notamment, de salles à manger. Donc là, on arrête de manger euh, en commun euh, dans des dortoirs. Et puis surtout, de cabines un peu plus privatives, au moins pour les familles et pour les femmes seules, parce que c'est quand même plus agréable de, 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 de faire le voyage à... 4, 6 ou 8, même si c'est des inconnus, qu'à 140. Donc il y a ça qui se met en place, mais par exemple en France, on va avoir un retard très long euh, là-dessus, puisque jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, on a surtout des dortoirs et on n'a pas toujours de salle à manger sur les navires français. Et puis d'autre part, on a un problème qui est aussi celui que la qualité va dépendre de la ligne. C'est-à-dire que les paquebots qui partent d'Angleterre, par exemple, vont être bien plus sophistiqués que ceux qui partent pour la même compagnie de port italien. Parce que là, la compagnie est assez cynique, en fait, et se rend compte que cette clientèle d'Europe du Sud qui part des ports italiens, elle ne parle pas anglais. Et donc, elle ne sera pas en mesure de se plaindre. Ou en tout cas, pas en mesure de faire entendre ses plaintes. Et donc, on peut se permettre d'avoir des conditions beaucoup moins humaines, en fait. Et ça, c'est quelque chose que relève notamment un journaliste au début du, du XXe siècle, qui relève très clairement que les compagnies ne se permettraient jamais ça si la clientèle en question était en mesure ensuite de rapporter ce qu'elle a vécu pendant le voyage. Et donc, ce journaliste considère que, puisqu'elle n'est pas en mesure de le rapporter, c'est à lui de le rapporter pour essayer d'améliorer leur situation. Et donc, lui, ce qu'il raconte notamment, c'est qu'à cette époque, sur le navire qu'il emprunte, il n'y a pas de salle à manger chacun doit aller chercher son repas qui lui est servi à une époque il, il fallait même prévoir les repas à l'avance là c'est déjà plus le cas quand même les compagnons ont obligation de servir des repas mais les repas alors comme il dit la quantité n'est pas un problème la qualité c'est autre chose parce que plus d'une fois il a retrouvé dans sa nourriture euh, des asticots des cafards une fois il y a même trouvé une épingle à cheveux euh, il a vu un jour euh, son serveur se moucher dans les mains enfin son serveur, c'est un bien grand mot d'ailleurs, mais se moucher dans la main, puis ensuite lui attraper son biscuit et le lui tendre sans même s'être en, essuyé entre temps. D'autre part, j'ai dit tout à l'heure que souvent les passagers avaient juste une petite assiette qu'ils utilisaient pour tout le voyage. Bon, bon, lui, il explique qu'on leur laissait pour nettoyer ça qu'un baquet d'eau froide et puis débrouillez-vous. Donc souvent, il fallait y aller avec les ongles pour gratter des morceaux de raviolis et les enlever que les plus chanceux avaient trouvé un bout de journal pour s'en servir comme torchon. Enfin, Ça donne à imaginer vraiment des conditions très très difficile, et donc évidemment c'est très différent de ce qu'on peut trouver quasiment à la même époque sur le Titanic en troisième classe, où là au contraire on a des repas qui sont servis dans une salle à manger, avec des nappes, avec des couverts, avec des serveurs, et même des menus imprimés sur lesquels d'ailleurs il est inscrit « si vous avez une plainte à déposer contre votre serveur, relevez son numéro et faites-nous le savoir », etc. Donc où là on a vraiment deux salles, deux ambiances, qui tiennent vraiment probablement à la langue parlée, et du coup, au fait aussi que ben, clairement, sur les navires qui partent des ports italiens, on a de l'immigrant très pauvre, alors que sur le Titanic, on peut avoir aussi, ben, je parlais tout à l'heure, de cette grande famille qui a acheté une ferme. Bon, ben, ceux-là, euh, ce pas des gens pauvres, c'est des gens qui attendent quand même un, un relatif standing, et donc ceux-là, pour le coup, on a intérêt à les capter. En première classe, effectivement, on a des gens dont c'est devenu l'activité euh, d'être, alors on dit parfois des tricheurs, mais en fait c'est un peu plus compliqué que ça, euh, on va dire des joueurs professionnels, parce que souvent justement les meilleurs ne trichent même pas. Euh, C'est-à-dire que les meilleurs s'arrangent, par exemple, pour se regrouper à plusieurs, ils vont se mettre à trois sur une table de poker, ils vont récupérer un quatrième joueur. Statistiquement, il y a toutes les chances qu'un des trois tri, enfin, des trois professionnels gagne et ensuite ils se partagent les gains. Par exemple, ils vont utiliser ce genre de choses. Souvent, c'est beaucoup plus sûr pour eux de faire ce genre de choses que de tricher avec des dispositifs comme les fameuses cartes cachées, des choses comme ça, ce qui existe aussi, mais qui est beaucoup plus facile pour se faire prendre et du coup beaucoup plus dangereux. Donc souvent, ils vont développer plutôt des techniques qui relève de l'entourloupe, de l'arnaque, euh, voilà, et donc euh, parfois même ça peut aller plus loin, ça peut être rencontrer un passager, et puis tant qu'à faire, essayer de l'embarquer, euh, on a cette histoire-là qui est terriblement drôle et pourtant triste d'un des tricheurs professionnels du Titanic, justement, puisqu'il y en avait trois à bord, des joueurs professionnels. Euh, et on en a un qui, dès euh, sa survie sur le Pago, euh, le Carpathia, qui ramène les rescapés euh, à New York, réussit à embarquer un passager de première classe dans une entourloupe, où il lui donne rendez-vous pour plus tard euh, dans, un, dans un hôtel. Et là, il essaie de le convaincre d'une histoire de paris hippique, truqué, etc. Et puis bon, bah, ça finit très mal pour lui, puisque le passager ne rentre pas dans, dans le jeu et il lui casse la figure avant de partir. Et donc on retrouve l'histoire dans, dans la presse ensuite. Mais on en a pas mal qui ont mis ça, euh, enfin qui en ont fait un qui en ont fait une activité, parce qu'ils savent aussi que de toute façon, il y a des passagers qui sont euh, attirés par le jeu que ce sont des gens très riches et que donc, du coup, on peut faire monter très vite les enchères. Parce que, mine de rien, euh, là aussi, ça veut dire que c'est une activité qui implique d'acheter un voyage en première classe pour pouvoir pratiquer ensuite. Donc, ça veut dire qu'il faut rentabiliser le voyage, qui n'est quand même pas donné. Rentabiliser aussi tout le train de vie qui va avec, parce que voyager en première classe, ça veut dire s'habiller comme un passager de première classe, ça veut dire euh, avoir tout ce, tout ce standing-là. Et donc, finalement, on en a comme ça qui réussissent vraiment à développer même parfois des doubles vies parce que leur famille ne sait pas vraiment ce qu'ils font. enfin Il y a, y a des choses assez stupéfiantes qui se mettent en place. Euh, et là, pour le coup, les compagnies ont beaucoup de mal à lutter parce que déjà, souvent, comme je disais, c'est même pas illégal ce qu'ils font. C'est-à-dire que, bon, euh, quand ils se sont mis à trois pour dépouiller un passager, mais qu'ils n'ont pas triché ni rien, euh, bon, ben... On ne peut rien leur reprocher. Et donc souvent, les compagnies se retrouvent obligées juste de dire à leurs passagers, écoutez, voilà, euh, il y a souvent des joueurs professionnels à bord, vous risquez de vous faire plumer, ne jouez pas de grosses sommes. Mais en fait, ils savent très bien qu'il y a tout un tas de gens qui, en première classe, ont le goût du jeu et vont euh, se laisser aller à ça. Évidemment, ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve trop en troisième classe, mais malgré tout on a retrouvé des arnaqueurs professionnels, euh, notamment, euh, j'ai lu ça récemment, un, un gars qui s'était fait embaucher comme interprète par la White Star Line, et qui pendant quelques temps a vendu des services tout à fait illégaux aux passagers de troisième classe, il leur faisait miroiter des, des, des faveurs pour après, qu'il leur trouverait ensuite des contacts, des choses comme ça, il vendait ça très cher, puis après il disparaissait dans la nature, et les pauvres passagers pouvaient évidemment euh, pas trop se plaindre. Bon, la White Star l'a viré dès qu'elle a su euh, ce qu'il faisait, mais pendant quelques voyages comme ça, il s'était fait de l'argent euh, sur une clientèle euh, aussi crédule que pauvre, mais justement, dépouiller les pauvres, ben ça peut faire du nombre. Donc euh, c'est aussi euh, une pratique qui pouvait exister. Alors la question des loisirs, elle est très importante parce qu'une traversée, c'est un voyage euh, quand même de plusieurs jours, voire plus d'une semaine. Donc c'est long et globalement l'activité à bord, enfin le, la vie à bord consiste à meubler son temps entre les repas. Parce qu'en plus on est dans un milieu qui jusqu'en 1900 globalement est isolé complètement. Après il y aura la télégraphie sans fil. Mais même avec la télégraphie sans fil, comme ça coûte assez cher d'envoyer un message, tout le monde ne peut pas se le permettre. Donc on reste quand même isolé. Euh, disons que bon, euh, aujourd'hui, dans les mêmes circonstances, euh, vous prenez un ordinateur portable, vous avez le Wi-Fi à bord, euh, vous pouvez vous occuper. Bon. À l'époque, ce n'est pas du tout possible, et du coup, euh, même vous pourriez travailler, par exemple, vous en télétravail aujourd'hui euh, sur un navire. À l'époque, ce n'est pas du tout possible. Ce qui fait que, notamment pour euh, tous ces migrants qui traversent, ben, ça peut être la première fois, par exemple, qu'ils auront des vacances, en quelque sorte, puisque là, il euh, n'y a, a pas d'usine sur un paquebot. Donc il faut bien s'occuper, alors pendant longtemps, en particulier pour les, les migrants, on se pose pas la question, hein, ils se débrouillent comme ils peuvent, et donc dans ces cas-là, les loisirs principaux, ça va être les jeux, notamment ce qu'on appelle les jeux de pont, mais qui là pour le coup vont être euh, improvisés en quelque sorte, c'est-à-dire on trace des formes à la craie, puis on fait une sorte de marelle ou des choses comme ça, euh, des jeux de cordes à sauter, euh, des danses aussi, euh, et là il suffit qu'il y ait un passager qui ait un accordéon ou quelque chose pour euh, alimenter. Sur le Titanic, on va donner aux passagers de troisième classe, dans, dans un des salons, un piano, justement, pour euh, encourager ça. Puis il va y avoir aussi, du coup, des, des petits salons avec possibilité de jeux de cartes, de choses comme ça, parce que c'est vraiment ça qui va nourrir, finalement, l'activité. Pendant longtemps, c'est aussi ça qui nourrit l'activité dans les autres classes. C'est-à-dire que, même euh, en première classe, sur les paquebots des années 1870-80, globalement, on a une grande salle commune qui sert de salle à manger, qui sert aussi de salon. Éventuellement, on va avoir à côté une boutique de barbier, qui est très importante, parce que là aussi, euh, la traversée dure, donc c'est bien de pouvoir se faire entretenir, en tout cas pour les hommes. Euh, et le barbier va servir aussi à vendre tout un tas de petits services, des petits, des petits souvenirs, des cartes postales, des choses comme ça. Mais en tout cas, là aussi, la traversée, on va l'occuper par la discussion, par la lecture et par des jeux, même en première classe. Et donc, on a aussi des jeux, ce qu'on appelle des jeux de pont qui voient le jour et qui, là, vont être organisés par, par l'équipage, des jeux de palais, par exemple, de choses comme ça. Et puis, euh, bah, là aussi, va apparaître le fameux transat, hein, littéralement, le fauteuil transatlantique, c'est-à-dire cette chaise de pont, cette chaise longue sur laquelle on se repose, quand il fait beau, évidemment, euh, sur le pont pour profiter euh, du temps euh, et de, de l'extérieur. On va, apparaître aussi, on va voir apparaître aussi ce qu'on appelle des ponts-promenades, c'est-à-dire des, des ponts qui sont beaucoup plus consacrés à la marche, parce que bah, plus le navire devient grand, plus il devient facile d'y parcourir un peu, de, un peu de kilométrage en marchant. Et donc, euh, pendant longtemps, ça va être quand même ça, le cœur, euh, le salon et la bibliothèque. Souvent, d'ailleurs, les, les compagnies ont des partenariats avec des sociétés qui fournissent des livres un peu au goût du jour pour approvisionner le, les bibliothèques du navire. Et puis au début du 20 XXe, plus les navires deviennent grands, plus il devient possible d'offrir de nouvelles choses. Donc, euh, déjà, plus de salons. Euh, souvent, ce qui va arriver très vite, c'est la présence d'un salon fumoir réservé aux hommes. Et donc, en pendant, on va donner un salon boudoir aux femmes. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que par exemple, sur le Titanic, on a bien un fumoir pour les hommes, mais le salon plus féminin est ce qu'on appelle le salon de lecture et de correspondance, qui est ouvert aussi aux hommes. Donc, euh, bon, c'est une division qui n'est pas totale. Euh, et puis on va voir apparaître au début du XXe des espaces dédiés vraiment au sport donc des gymnases avec euh, bah, des vélos de, de, ce qu'on appelle des vélos d'appartement aujourd'hui, des machines ramées, des appareils aussi qui nous sont beaucoup moins familiers des machines à masser par exemple avec des espèces de roues qui ont l'air aujourd'hui d'appareils de torture euh, des chevaux et chameaux électriques, ce sont des bestioles sur lesquels on monte et puis ça, ça nous balance pour simuler le mouvement de l'animal c'est un concept là aussi. Euh, bon, ce sont des appareils qui sont en vogue à l'époque. Euh, en France, euh, sur les paquebots français, ils appellent ça une salle de mécanothérapie d'ailleurs. Donc, il y a vraiment ce côté vraiment, c'est pour la santé. Et avec le temps, on va voir évoluer euh, de nouveaux sports. Donc, euh, sur le Titanic et l'Olympique, son jumeau, on voit apparaître un cours de squash. Sur le Normandie, dans les années 30, on verra carrément un cours de tennis réglementaire. Euh, sur le Normandie, on aura aussi un stand de tir. Par exemple, donc euh, des, des choses comme ça là, toujours dans, dans l'idée de pratiquer du sport. Sur le Titanic et l'Olympique, et on avait déjà vu apparaître ça sur un autre paquebot de la White Star quelques années avant. Euh, on a des piscines, enfin, une piscine, euh, et là c'est vraiment une nouveauté qui est permise parce que le navire est grand, parce que du coup ça, ça le rend plus stable et donc ça permet d'avoir une piscine parce que sur un petit navire autrement l'eau elle, elle part dans tous les sens, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et donc on a tout ça qui apparaît petit à petit. Donc là, comme j'ai dit, des loisirs plutôt tournés quand même sur ou bien le sport ou bien les activités collectives. Sur le Titanic et l'Olympique, on a aussi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est des bains turcs, parce que l'heure est à l'orientalisme. Et donc, on a tout un système qui est lié à la piscine, d'ailleurs, avec une salle froide, une salle tempérée, une salle chaude, un sauna. Et on, on fréquente ça. On a aussi des, des salles de shampoingage où on se fait masser, où on se fait laver les cheveux, etc. Donc là, vraiment un espace tourné vers le bien-être. Euh, avec aussi d'ailleurs une chaise de pesée au départ hein, du parcours qui émet un petit ticket indiquant le poids parce qu'on on se rend compte qu'on pèse souvent un peu plus léger à la fin qu'au début, ce qui est logique vu qu'on a transpiré beaucoup. Et donc du coup, ça passe pour euh, un petit peu euh, glorifiant de se dire Ah tiens, j'ai perdu 500 grammes en passant au bain turc. Donc on met ça en place. Alors ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. On a un retour d'une passagère du Titanic qui a testé ça le, le 14 avril, justement le jour du naufrage, mais juste avant et qui écrit dans son journal intime ce jour-là, sans savoir ce qui va arriver le soir, que c'est le pire jour de sa vie, enfin que c'est la pire expérience de sa vie d'avoir traversé les bains turcs. Bon, J'espère qu'elle a changé d'avis après quand même, parce qu'a priori, elle avait vécu pire juste après, mais c'est dire le niveau. Et effectivement, par exemple, ils avaient tenté d'investir aussi dans du technologique avec les bains électriques. Et les bains électriques, ce sont euh, alors ça ressemble à un cercueil, en fait, l'appareil. Hein, ça a la forme d'un cercueil, sauf qu'on a la tête qui dépasse, qu'on a un gros couvercle très imposant dessus, avec tout un tas de dispositifs, de générateurs de vapeur électrique. Et en fait, c'est pour se faire suer dans une espèce de boîte. Et ça, bon, bah, là aussi, on a un indice qui montre que la clientèle n'a pas adhéré, parce que sur l'Olympique, il y en avait deux. Et sur le Jumeau, le Titanic qui arrive l'année suivante, il n'y en a plus qu'un. Donc, c'est bien le signe qu'a priori les passagers ne se, se pressaient pas trop pour le fréquenter. Donc, on a ce genre de choses. Alors que par exemple, on, on voit que le cours de squash est quelque chose de très populaire. On est obligé de réduire la durée des séances par deux pour permettre à tous les passagers de le voir. Au début du 20e, on a aussi l'arrivée d'orchestres à bord des navires. Et ça, ça plaît beaucoup, beaucoup. Euh, là aussi, on voit qu'entre l'Olympique et le Titanic, on a augmenté la, salle de, la taille de la salle de réception où joue l'orchestre parce que les passagers sont tellement nombreux à venir l'écouter le soir après manger qu'il y en a certains qui s'asseyaient sur les marches du grand escalier parce qu'ils n'avaient plus de place assise dans la pièce. Donc là aussi, on voit un petit peu se dessiner euh, des choses comme ça. Puis quand je parle de l'orchestre, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, nous, quand on voit ça euh, dans le film, par exemple... On le voit jouer de la musique qui nous paraît très classique à nos yeux d'aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, il joue des airs qui sont à la mode. Donc, euh, souvent d'ailleurs, l'orchestre est tenu de, tenir, de, de, de pouvoir retenir de tête tout un tas de morceaux à la mode et de pouvoir les jouer à la demande de, des passagers ensuite qui disent Oui, euh, tiens, euh, jouez-nous tel truc. Et, et donc, vraiment, c'est un orchestre qui, dans le cas de celui du Titanic, est, est plébiscité, par exemple. Et on va voir apparaître finalement euh, après la Première Guerre mondiale beaucoup plus les loisirs plus individuels. La danse, par exemple, apparaît dans les années 20. Sur le Titanic, on danse pas. Mais en tout cas en première classe, on danse pas. Il n'y a pas d'espace prévu pour ça, pas de salle de bal ni rien. Mais dans les années 20, sur son jumeau l'Olympique, on va transformer la salle à manger pour accueillir une piste de danse parce que c'est devenu une activité à la mode. De la même manière, dans les années 20, on va avoir apparaître des cinémas sur les paquebots. Euh, là aussi, c'est une activité qui marche beaucoup, puis qui finalement ne demande pas beaucoup de moyens. Donc le premier paquebot à avoir un cinéma dédié, c'est un paquebot français, le Paris en 1921. Mais sur d'autres navires, ben, toujours l'Olympique par exemple, bon, ben, on va reconfigurer occasionnellement le salon, on aligne des chaises, on pose un écran euh, temporaire finalement, puis on projette un film. Mais on va arriver euh, à des navires comme le Normandie, où on a un gigantesque cinéma qui sert aussi de théâtre, qui accueille des spectacles, etc. Donc là, vraiment, on a une... Diversification des loisirs qui apparaît, mais beaucoup plus après la Première Guerre mondiale et qui touche évidemment beaucoup moins euh, les classes inférieures. Et alors, il y a un point sur lequel je voudrais attirer l'attention aussi c'est le cas des enfants, parce que les enfants, c'est évidemment une clientèle très à part et qu'il s'agit de satisfaire. Et le problème, c'est que ben, sur les paquebots britanniques, notamment la White Star, on ne s'en occupe pas. Euh, C'est-à-dire que très clairement, bon, après, il faut voir que euh, sur le Titanic, pour sa traversée inaugurale, il n'y a que cinq enfants en première classe, alors par enfant, on entend de moins de 12-13 ans. Euh, alors qu'il y en a plus d'une cinquantaine, je crois, en troisième. Donc euh, c'est vraiment une différence aussi qui joue, évidemment. Mais donc en première classe, les enfants sont vraiment considérés par la compagnie comme une clientèle un peu encombrante. On demande tant qu'à faire aux passagers de, de, de s'en occuper, mais souvent, de toute façon, ils voyagent avec une gouvernance, donc qui va s'en occuper, et puis on leur dit que voilà, ils peuvent manger dans la salle à manger avec leurs parents, mais seulement s'il y a de la place, sinon il vaut mieux qu'ils mangent dans la cabine. Alors que sur les paquebots français de la même époque, depuis déjà longtemps, on a développé des salles à manger spéciales pour les enfants. Comme ça, les parents sont détendus pendant leur voyage, ils n'ont pas à s'occuper des enfants, et puis on a aussi bah, des théâtres de guignols, des, des espaces vraiment dédiés au jeu des enfants. Et ça, c'est intéressant à double titre parce que c'est sur des paquebots français qui, à l'époque, n'ont pas de salle à manger pour les passagers de troisième classe. Donc on voit vraiment qu'ils ont fait un choix, celui vraiment de se tourner vers les clientèles fortunées et de leur offrir des services que les autres n'offrent pas. Et en l'occurrence, là, s'occuper des enfants. Pour la vie religieuse, c'est assez compliqué en fait parce que. Euh... Pendant longtemps, alors ça va dépendre déjà des, des compagnies, là, très clairement. Les Britanniques, ça ne les intéresse pas, franchement. Euh, C'est-à-dire que, globalement, on va se contenter d'un office anglican qui est mené par le capitaine. Et puis, ça va s'arrêter là pour ce que la compagnie organise elle-même. Ensuite, on va accorder quand même dans euh, différents euh, salons ou lieux, voilà, un espace pour ensuite euh, le culte, si d'autres veulent tenir leur culte. Par exemple, à bord du Titanic, pendant son voyage, on a plusieurs prêtres qui se trouvent voyager à bord en seconde classe et qui vont du coup en profiter pour donner une messe euh, dans leur classe et ensuite descendre en donner une autre. Donc là, je parle de prêtres catholiques qui vont ensuite descendre en donner une autre en troisième classe où il y a pas mal de passagers catholiques. Et puis, par exemple, à bord du Titanic aussi. On a un révérend anglican en deuxième classe qui, en plus de l'office qui a été donné le, le matin, propose le dimanche soir de réserver la salle à manger pour changer des cantiques. Et du coup, on leur, on leur dit, oui, pas de problème, vous pouvez utiliser la salle à manger pour ça. Donc il y, y a ça, il n'y a pas d'espace dédié, mais on s'adapte, on met en place des choses. Il y a une petite particularité aussi quand même, ça va être pour la clientèle juive. Là, euh, pour un intérêt qui est plus euh, de la traiter convenablement, parce que euh, les Juifs ont des impératifs alimentaires. Et donc là, très tôt, euh, par exemple, sur le Titanic, on va avoir un employé qui est décrit comme cuisinier hébreu et qui est vraisemblablement, comme il est immatriculé, enfin il est, il est catégorisé en troisième classe, il est vraisemblablement là surtout pour former l'équipage et pour euh, le former à la cuisine, justement, cachère, à ce genre de choses pour pouvoir ensuite accueillir des passagers juifs quelle que soit la classe dans des conditions euh, idéales parce qu'après globalement bon c'est vrai qu'en première classe ce sera toujours plus facile d'adapter les repas mais comme ça c'est au moins pour s'assurer que euh, comme il y a des flux assez significatifs de, de migrants juifs c'est bien de les accueillir aussi dans de bonnes conditions et puis avec le temps on va voir quand même se développer une demande mais là c'est vraiment la France qui va jouer là-dessus c'est-à-dire que à partir de euh, de, de, des années 20, on va passer avec vraiment des chapelles à bord. Jusque-là, en France, ce qui se passait, donc la France, pour le coup, de culture catholique et pas anglicane, euh, utilisait des valises-chapelles. C'est euh, des sortes de, de mâles à l'intérieur desquels il y a tout le nécessaire pour tenir l'office. Et ils avaient aussi des chasubles. Alors, ça, c'est formidable pour gagner de la place. C'était des chasubles réversibles selon les différents temps de la cérémonie, comme ça, on, on en avait du deux en un. Et donc on a encore ces, ces valises-chapelles qui sont encore conservées au Havre. Dedans, il y a tout ce qu'il faut, les calices, les hosties, les bibles, etc. Et donc là, c'était à l'époque vraiment des offices religieux qui étaient organisés là aussi par la compagnie dans un salon, mais qu'on qu reconvertissait en, en chapelle le temps de l'office. Et puis donc à partir du padebot île de france en 1927, on décide de consacrer vraiment un espace à une chapelle. Et donc, l'île de France va avoir une chapelle, et surtout le Normandie en 1935 va en avoir une gigantesque. Et ça, c'est pas anodin du tout, parce que choisir de consacrer de l'espace sur un navire, c'est toujours de l'espace qu'on ne donne pas à autre chose. Et en l'occurrence, la chapelle du Normandie, en plus, elle a une très grande hauteur de plafond, c'est-à-dire qu'en fait, sur tout un étage au-dessus, il y a toute une zone qui est occupée juste par le plafond de la chapelle. Donc, c'est de l'espace qui est littéralement perdu. Mais comme le navire est immense, on peut se le permettre et donc ça veut dire que là on décide d'accorder ça aux passagers religieux et on se retrouve donc avec cette chapelle qui est là pour le coup destinée à la fois aux passagers catholiques et aux passagers protestants puisqu'on y a créé un chemin de croix dissimulable derrière des panneaux de bois comme ça les protestants qui veulent pas voir le chemin de croix on le leur cache. Bon, il y a tout ça qui est mis en place. La chapelle est consacrée en grande pompe par des archevêques bien en vue de la société française, etc. Donc, il y a vraiment tout ça qui est mis en place par la Compagnie Générale Transatlantique, mais qui est une compagnie qui, par ailleurs, a une culture très conservatrice. Et donc, je pense que ça joue aussi dans l'attention qu'ils prêtent à cette question-là. Et puis, d'autre part, dans les années 30, ils se rendent compte que la clientèle juive est quand même vraiment intéressante aussi et qu'il faudrait bien la traiter en première classe. Et donc à rebours de ce qui se passe en Europe à la même époque euh, avec un antisémitisme qui explose et qui va mener à ce qu'on connaît, eh bien euh, la Transat investit beaucoup là-dedans. Alors, d'abord, dans de la cuisine cachère, avec vraiment là pour le coup euh, conseil sollicité auprès d'un rabbin parisien bien en vue, euh, publicité diffusée en hébreu en plus de, du français et de l'anglais. Euh, on a enfin tout un tas de choses, assiettes vraiment spécifiquement pour le cachère, vaisselle spécifiquement pour le cachère, et pour le Normandie, ils disent même que ça serait bien de pousser un peu plus loin et de prévoir du mobilier religieux. Et simplement, quand on leur livre le mobilier religieux, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas prévu de local à bord pour le, pour le culte juif. Et du coup, au début, ils vont installer le mobilier rituel juif dans la salle à manger des enfants, qui a été décorée par Jean de Brunoff, le père de Babar. Et donc, euh, partout au mur, il y a les éléphants de Babar qui se baladent. Et puis, au milieu, il y a ce mobilier rituel juif. Alors, dans les journaux de l'époque, en 1935, on voit... Alors, les journaux juifs prennent ça avec philosophie. Euh, on a le journal juif et la tribune hébraïque qui disent que bon euh, c'est pas très digne et qu'il euh, va falloir changer ça très vite mais que au moins on a pensé à eux et qu'on a essayé. Par contre, on voit bien qu'il y a toute une clientèle en première classe qui réagit euh, avec euh, l'antisémitisme le plus bas du front hein, en considérant qu'ils veulent pas que leurs enfants mangent à côté de ce genre de choses. Et donc euh, très vite d'ailleurs, euh, on va voir dans les rapports du du commissaire de bord que pour éviter l'invasion des passagers juifs en première classe, ce sont ces mots. Euh, il a décidé de déplacer le, le culte en deuxième pour les fêtes du Kippour. Bon, voilà. Donc euh, là aussi, il y a, y, a y a cette dynamique là. Mais en tout cas, très vite, ils vont finir par concevoir à bord du Normandie dans un espace libre une vraie synagogue, euh, tout à fait bien. Au point d'ailleurs que le même commissaire euh, va s'inquiéter un petit peu parce qu'il se dit après, euh, dans son rapport, pareil à la compagnie, que le rabbin qui est chargé de faire ensuite leur promotion auprès, du, au prix de, la cliente, auprès de la clientèle juive fortunée et qui les a conseillés, euh, qui les a conseillés pour, euh, pour mettre en place tout ça à bord, bah, ce rabbin fait peut-être un peu trop leur promotion finalement. Et que du coup, le Normandie risque d'être connu comme le navire où les Israélites se sentent chez eux entre eux et que ça serait problématique. Donc euh, là, on voit finalement, euh, en fait, euh, s'il si parlait avec les mots d'aujourd'hui, euh, on, on dirait attention, danger, communautarisme. Mais euh, voilà, c'est en tout cas les, les problématiques qui se passent à l'époque. C'est-à-dire qu'on a un antisémitisme qui est là très vivant et qui va mener à l'horreur. Mais d'un autre côté, on met en place des choses quand même pour une clientèle qui est là aussi, et euh, qui est tout à fait estimable. Et en tout cas, l'argent n'ayant pas d'odeur, euh, on est prêt à le prendre aussi. Et alors de l'autre côté, du côté des Britanniques, eh bien, pendant longtemps, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient eux parce que je n'avais rien lu sur le sujet. Et euh, moi ma période, la période que j'étudie remontait jusqu'en 1940 et j'ai eu la réponse justement vraiment à ce moment-là puisque pour la construction du Queen Elizabeth qui a été mis en service en 1940, un passager canadien, un habitué de la compagnie, avait envoyé une lettre à la Cunard Line. En leur disant, euh, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous accorder au moins une cabine qui servirait pour le culte anglican Une seule cabine qu'on transformerait avec deux, trois bancs pour, euh, pour faire une chapelle, ça nous suffirait, mais ça serait quand même mieux qu'un coin de salon. Et la compagnie lui a répondu qu'elle n'était pas intéressée. Et donc là, on voit vraiment euh, deux salles, deux ambiances, puisqu'à bord du Normandie, on fait une chapelle immense avec des espaces perdus à tout va et une synagogue dans un coin, euh, voilà. Alors que sur euh, le Queen Elizabeth à la même époque, qui vise pourtant tout à fait une clientèle similaire, on considère que même une cabine transformée en chapelle, c'est déjà trop. Donc là aussi, il y a des choix qui sont opérés, alors euh, qui tiennent sûrement à la culture locale et à mon avis aussi qui tiennent au fait que la France mise beaucoup sur la clientèle de luxe. Et par du principe que comme ça, elle touchera une niche particulière, la clientèle religieuse, là où ben justement ça pourra faire la différence, parce que ben par exemple, des passagers britanniques très religieux qui normalement auraient voyagé sur des paquebots britanniques, bon, mais ben là ils se diront il y a une chapelle sur le Normandie, je vais prendre le Normandie. qui Se passe à terre est effectivement calqué sur ce qui se passe en mer, d'autant plus que on voit par exemple l'évolution des rapports sociaux. Euh, typiquement, sur les salles à manger, quelque chose de tout bête, le nombre de personnes qu'on va mettre à la même table. Si on prend le Titanic, on est en 1912 sur des tables qui généralement sont autour de 8 en première classe, parfois un peu plus grandes, on peut monter jusqu'à 12, parfois un peu plus petites, on peut descendre jusqu'à 4 globalement, mais en général on est sur de la tablée à 8, ce qui signifie que souvent, toujours mais souvent vous allez manger avec d'autres gens que vous et ça fait partie en quelque sorte des rituels à bord et d'ailleurs même dans certains cas on va avoir des passagers qui s'en donne à cœur joie pour négocier auprès du commissaire de bord, pour être à la table de machin, si possible à la table du capitaine, ça c'est vraiment génial, ou au moins à celle du commissaire de bord ou du médecin du bord. Bon, mais il va y avoir comme ça tout ce phénomène-là, puis euh, dire euh, oui, j'aimerais bien être à la table de machin. Parfois ça peut être aussi, euh, tiens, j'ai une fille à marier et j'ai vu dans la liste des passagers qu'il y avait tel beau jeune homme, ça serait bien si on pouvait être à la même table pour qu'il fasse connaissance. Des choses comme ça. Donc, il euh, y a vraiment toute cette sociabilité de groupe qui se développe, même si il y a déjà des gens qui préfèrent manger dans leur coin ou ce genre de choses. Il hein. y, y a toujours eu des, des gens moins sociaux que d'autres, mais on est vraiment sur une sociabilité très assumée qui tourne beaucoup autour de ça. Et on est aussi à une époque encore où euh, il est de bon ton de montrer qu'on est connu, de se faire connaître des gens, de, euh, voilà, d'aller voir aussi les gens connus justement pour essayer de créer du réseau et tout ça. On marche beaucoup comme ça. Alors que si on part euh, 20 ans plus tard, sur le Normandie, on se rend compte que là, la majorité des tables dans, le Normandie, dans la salle à manger du Normandie sont prévues pour quatre et qu'en fait, c'est déjà trop. Que la plupart des passagers ils voyagent en couple et qui veulent manger à deux et qui n'ont pas envie de, de partager leur table, serait-ce avec un autre couple. Et comme c'est de la première classe, on ne va pas contrarier les passagers au point qu'on est obligé de faire plusieurs services pour que les gens puissent manger à deux sur leur table à quatre. Donc, on a là une évolution et qui effectivement est, est, est tangible et qui se perpétue aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on va au restaurant, on s'attend pas à se retrouver à la table d'un sombre inconnu. Alors qu'en 1912, ça fait partie du jeu. C'est euh, voilà, c'est quelque chose qui est, euh, qui est une évolution là très nette et qui se couple à mon sens avec aussi une évolution des loisirs parce que comme je disais, en 1912, on est encore beaucoup dans de la conversation, par exemple, dans des choses comme ça. Euh, on va prendre le thé ensemble, on va jouer aux cartes ensemble, etc. En 1935, ça ménage une possibilité de loisirs beaucoup plus individuels. Euh, le cinéma, par exemple, ce genre de choses, Bon, c'est quand même des choses qu'on peut faire beaucoup plus tout seul. Même si là aussi, il faut pas non plus caricaturer euh, dans les faits sur le Titanic euh, si vous êtes la personne la plus solitaire du monde vous pouvez passer la moitié de votre RC à lire dans votre cabine, l'autre moitié à aller tranquillement patauger dans la piscine tout seul, etc., etc., il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a malgré tout un changement, je dirais, dans la façon dont la traversée se vit, et qui se retrouve même dans, les, dans la troisième classe, où finalement, là aussi, l'intimité évolue progressivement euh, pour donner des cabines euh, petit à petit à de plus en plus de gens plutôt que des dortoirs, parce que ben, dormir dans le même lit qu'un inconnu, c'est quand même pas marrant, quoi. On lit souvent effectivement que la troisième classe réalisait le plus gros du chiffre d'affaires des compagnies. Euh, personnellement, je n'ai jamais vraiment réussi à le vérifier euh, de façon sûre. Ce qui est certain, c'est que euh, la, la grande diminution dont on a reparlé tout à l'heure des flux de troisième classe n'a pas tué la ligne. Donc, c'est bien signe que les autres classes étaient rentables aussi. Et en tout cas, euh, la troisième classe avait quand même la particularité d'être beaucoup plus vide au retour qu'à l'aller. Donc, finalement, euh, on était quand même sur un flux beaucoup plus de circonstances. Alors, les compagnies euh, sont gourmandes. Quand le flux est là, elles en profitent beaucoup. Mais elles savent aussi que c'est un flux qui peut changer d'année en année. Euh, des fois, euh, j ai, j ai, j ai pour, la, pour la Compagnie Générale Transatlantique, des fois, d'une année à l'autre, il peut y avoir une différence de 10 000 à 20 000 euh, personnes hein, euh, transportées. Donc, euh, c'est quand même déjà quelque chose. On ne sait jamais quelle sera la loterie. Il peut y avoir euh, telle ou telle conjoncture qui va faire que plein de gens vont partir. Et puis, euh, d'un coup, ça s'arrête. Donc, Déjà, pour les compagnies, c'est un premier facteur à prendre en compte. Alors que des passagers de première, il y en aura toujours. C'est des, des flux beaucoup plus réguliers et surtout qui vont dans les deux sens. D'autre part, euh, les passagers de première, ils choisissent beaucoup plus leur navire que ceux de troisième classe. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'en troisième classe, souvent, on se reposait sur des agences, etc. Alors oui, le fait d'avoir entendu parler du Titanic, par exemple, ça peut jouer sur le fait d'avoir envie de monter à bord. Il y a de la publicité qui est destinée à la troisième classe, mais probablement plus d'ailleurs à la troisième classe un peu fortunée, celle justement qui voyage pour s'installer aux États-Unis, mais dans des conditions plutôt meilleures, qui a vraiment le choix de son navire, ou alors la troisième classe qui voyage dans le sens des retours pour retourner voir la famille, et qui là aussi se pose la question du quel navire je vais prendre. Mais globalement... Pendant longtemps, ce n'est pas la clientèle sur laquelle on mise le plus pour la troisième classe. On sait que de toute façon, le navire, à partir du moment où il part, il y aura des gens qui iront dans la troisième classe. De toute façon. Parce que euh, la concurrence fait pareil finalement. Donc euh, de toute façon, un dortoir insalubre à un endroit ou à un autre, c'est pareil. Et donc pendant longtemps, on n'a pas le besoin de traiter les, ces passagers comme des passagers, en fait. Et de ce point de vue, on les traite comme du bétail. Qui va faire changer les choses, finalement, généralement, c'est quand même quand les gouvernements viennent sonner l'alarme et dire non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas les transporter dans ces conditions-là. Et donc, euh, régulièrement, on voit, par exemple, dans les rapports euh, du conseil d'administration de la compagnie générale transatlantique, que le, le conseil explique à, aux actionnaires euh, voilà, là, il y a eu une loi qui est passée aux États-Unis qui nous demande d'accorder tant de mètres cubes par passager, du coup, on va être obligé d'en transporter moins. Dans le même espace, donc ça nous ennuie un petit peu, mais bon, on est bien obligé. Voilà, il y a ce genre de choses qui va se mettre en place, l'obligation de servir des repas, ce qui est quand même un peu élémentaire, des choses comme ça. Puis il peut y avoir d'autres conjonctures aussi, euh, notamment sanitaires. On a vécu récemment avec le Covid, on a bien vu notamment ce que l'entassement dans un espace peut produire comme euh, problème. Bon, bah, les maladies, elles existent déjà à l'époque. Euh, et il y en a des pas marrantes, par exemple, des épidémies de choléra qui viennent régulièrement. Et donc, là aussi, euh, ça pose la question au moins de l'aération des locaux, qui est quand même un peu importante pour éviter la cotagion, des choses comme ça. Donc, là aussi, tout ça vient, vient jouer, évidemment. Euh, donc, ça va faire que petit à petit, les compagnies vont quand même être obligées de s'adapter mais souvent plutôt à ce que dit la loi, qui souvent elle-même va s'adapter aussi à ce que dit l'opinion. C'est-à-dire que justement, quand on a une grande campagne de presse pour sensibiliser aux conditions de vie des passagers, bah ensuite, ça peut faire pression sur le législateur. Et notamment, les États-Unis vont être très intéressés par ces questions-là, parce que c'est eux qui récupèrent les, les passagers au bout. Et comme le faisait remarquer ce journaliste dont je parlais tout à l'heure, qui a fait le voyage un peu en immersion pour sensibiliser à cette question-là, lui disait que le paquebot finalement c'est la première image que le, le, le futur citoyen américain va avoir de son pays d'arrivée. S'il a été traité comme une bête euh, pendant tout le voyage, ça va pas lui donner une bonne image de lui-même déjà et puis du pays où il arrive d'autre part. Et donc c'est mieux quand même que le voyage aussi se fasse dans des conditions décentes donc, il y a aussi cet enjeu là qui vient jouer. mais après, ce qui va quand même beaucoup plus jouer pour les, les états-unis, c'est la dimension sanitaire. et notamment, on connaît ce fameux contrôle qui a lieu à ellis island hein, avec une quarantaine et ainsi de suite, qui fait notamment que un passager qui est rejeté à ellis island repart en europe aux frais de la compagnie qu'il a amené. donc, ça, les compagnies n'y ont aucun intérêt parce que c'est faire voyager des passagers gratuitement. c'est jamais bien. Donc, souvent, elles vont introduire leur propre contrôle à l'embarquement, déjà, pour vérifier que les passagers ne sont pas porteurs d'une maladie. Par exemple, sur le Titanic, justement, on a un père qui venait du Liban avec ses deux enfants, et on se rend compte qu'il y a une infection euh, contagieuse euh, qui l'empêche de voyager, et du coup, lui va devoir attendre avant de faire le voyage, et par contre, ses enfants font la traversée tout seul. Donc, euh, on a ces choses qui se mettent en place. Mais euh, ça joue aussi sur la façon dont on aménage les navires, évidemment, ou dont on conçoit l'hygiène à bord, la présence d'hôpitaux à bord, parce que ça aussi c'est un facteur important. Euh, on, on conçoit des endroits où on va mettre notamment les malades infectieux, parce qu'on a bien conscience qu'il ne faut pas qu'ils restent avec les autres, sinon ça peut très vite être problématique. Donc on a tout ça qui se met en place petit à petit. Mais comme je dis, jusque on va dire, euh, à la fin du 19e, sur les lignes au départ des, des États-Unis, de, du Royaume-Uni, euh, les passagers de troisième classe sont un flux constant, ce n'est pas une clientèle. On sait que de toute façon, on en aura. À partir des années 1890, où il y a de plus en plus de navires, de plus en plus de concurrence, au moins au départ des pays anglophones, on commence à dire qu'il faut attirer la clientèle par le confort. Mais donc, c'est là qu'on commence à avoir une vraie troisième classe et plus seulement une sorte d'entrepont. Parce que littéralement le terme original entrepont porte en fait cette idée qu'on on les casse là où on peut. Et pendant longtemps c'est souvent ça, euh, c'est des espaces qui pourraient servir autrement à transporter autre chose. Donc là on voit les choses qui évoluent petit à petit. Mais euh, ce qui va vraiment jouer finalement, c'est quand l'immigration va être drastiquement limitée aux États-Unis. Ben là, comme il y a de moins en moins de passagers dans cette classe-là, il faut les attirer parce que sinon c'est la concurrence qui va les prendre. Et là du coup maintenant il faut bien les traiter. Le problème, c'est que le Titanic était vraiment le navire le plus sûr de son époque. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réaffirmer. Lui et son jumeau étaient vraiment les paquebots les mieux conçus de leur époque. Et n'importe quel navire de l'époque euh, subissant le même accident aurait coulé probablement plus vite que lui et probablement avec plus de morts que lui. Une fois qu'on a posé ça, ça a fait ressortir malgré tout des failles. Et le problème ensuite, quand on relève des failles comme ça... C'est est-ce que ce sont des failles qu'il est pertinent de résoudre ou est-ce que c'est vraiment la faute à pas de chance? Par exemple, on a parlé des fameux compartiments étanches du Titanic. Il était partagé en 16 compartiments. Il pouvait survivre avec deux compartiments percés, quels qu'ils soient, ou les quatre compartiments avant percés. Et il se trouve qu'il y en a eu cinq ou six de percés par l'iceberg. Le problème, c'est est-ce que vraiment le prémunir contre plus est nécessaire, sachant qu'en fait, les probabilités pour en percer plus de quatre à l'avant ou plus de deux en temps normal sont Quasiment inexistante. Bon, bah, dans les faits, euh, la réponse est non. Et globalement, du point de vue de ce, ce compartimentage-là, aujourd'hui encore, le Titanic serait probablement dans les clous. Mais il n'empêche que à l'époque, au moins sur son jumeau, on va renforcer les compartiments encore pas tant pour satisfaire une certaine loi que pour convaincre le public que vous inquiétez pas, ça se reproduira plus. Donc il y, y a aussi ce, ce facteur-là. Des fois, euh, on peut avoir construit euh, l'avion le plus sûr du monde, et puis bon, il ben, y y va y en avoir quand même un qui va tomber en panne à l'occasion, ça arrive. Donc là, c'est la même chose avec les bateaux. En revanche, il y avait d'autres problèmes qui étaient manifestes, notamment le manque de canaux de sauvetage, mais qui a aussi découlé de la doctrine qu'on avait jusque-là, et qui n'était pas forcément stupide, hein, qui était que, comme on a des navires très solides, les gens sont souvent plus en sécurité à bord en attendant qu'arrivent des secours, que en mer, dans des petites coquilles de noix, où ils risquent, euh, si la mer se, se réveille, d'être complètement perdus. D'autant que pendant longtemps, comme les paquebots n'ont pas le moyen de communiquer les uns entre les autres, sauf s'ils se voient, où là, ils peuvent s'envoyer des signaux lumineux, des choses comme ça. Bon, ben, des canaux abandonnés à la dérive dans l'Atlantique, en fait, euh, c'est pas sûr qu'on les retrouve. Donc, euh, les canaux de sauvetage, aujourd'hui, on voit ça comme la panacée. Mais c'est jamais certain de les retrouver. Et typiquement, ceux du Titanic, ils ont été retrouvés parce que le Titanic avait été en mesure d'indiquer sa position, d'appeler des secours, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui serait passé s'ils n'avaient pas eu de radio, par exemple Ben, peut-être qu'on aurait perdu quelques canaux, au moins. Donc, euh, c'est des questions qui se posent. Là, il se trouve que les rescapés ont dû attendre entre 4 et 8 heures avant d'être sauvés. Euh, bon, euh, c'est rien du tout. S'ils avaient dû en attendre 12 ou 24 il y aurait probablement eu des morts dans les canaux. Donc euh, là, on est, on est déjà dans quelque chose de très différent. Et donc, euh, effectivement, on a légiféré en disant il faut que tous les navires aient assez de canaux de sauvetage. Mais dans les faits, c'était très compliqué à faire. Parce que il y avait plein de navires qui pouvaient justement transporter beaucoup, beaucoup de migrants dans des petits espaces. Mais du coup, on n'avait pas la, la place sur le navire de mettre assez de canaux. Au point que d'ailleurs, dans certains cas, il a été décidé de réduire la capacité du navire plutôt que d'augmenter le nombre de canaux. Pour que tout le monde puisse avoir sa place quand même dans un canot. Bon, d'autre part, ça reste très théorique tout ça. Parce que par exemple, dire j'ai assez de canaux pour tout le monde sur mon navire, c'est une chose. Avoir le temps de les mettre proprement à l'eau avec les gens à bord, etc., c'en est toute une autre. Ça demande de l'organisation, ça demande d'avoir fait des exercices, ça demande que les passagers sachent où ils doivent aller, etc. Et ça demande que le naufrage se déroule dans des circonstances idéales. Deux ans après le Titanic, par exemple, il y a l'Empress of Ireland qui se fait rentrer dedans par un navire euh, charbonnier brise-glace dans le chenal du Saint-Laurent en pleine nuit, dans une nappe de brouillard. Il coule en un quart d'heure, on est en pleine nuit, la plupart des passagers n'ont pas eu le temps de monter sur le pont et la plupart des canaux n'ont pas été mis à l'eau. Et pourtant, du coup, l'Empress of Ireland avait eu deux ans pour s'adapter à tout un tas de choses vis-à-vis -vis du Titanic. Mais il y a des fois, euh, ben ça ne veut pas, tout simplement. Donc. Euh, Effectivement, le Titanic, il y a eu des, des améliorations, mais euh, voilà, c'était pas toujours simple. Après, c'est vrai que dans le cas du, du Titanic, on s'est quand même rendu compte euh, d'une chose qui touche très clairement à l'émigration, là, pour le coup, euh, c'est que les passagers de troisième classe avaient un accès au canot qui était réduit par rapport aux autres, et je dis bien qui était réduit, je dis pas qu'on les a empêchés d'y aller, contrairement à ce qu'on montre souvent, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que on a dès le départ des stewards, notamment en troisième classe, qui sont allés chercher des femmes et des enfants pour les mener vers les canaux. Pour les hommes, c'était plus compliqué, mais on en a certains qui ont réussi à faire leur chemin sans problème. Simplement, c'est vrai que tel que le Titanic était conçu, les canaux étaient sur le pont supérieur, le, donc le plus élevé au centre du navire, et c'est là traditionnellement où on met la première classe parce que c'est l'endroit le plus confortable du navire. La troisième classe, en revanche, on la met généralement aux extrémités, parce que c'est là où le navire vibre un peu plus. Bon. Et le problème, c'est que ces extrémités-là, du coup, euh, donnaient sur des ponts extérieurs où il n'y avait pas de canaux, puisqu'ils étaient sur le pont supérieur où c'était plus pratique de les mettre à l'eau, et on n'avait pas prévu d'escalier direct, même, il y avait que des échelles de secours, des choses comme ça. Alors, bien sûr, il y avait des passages à l'intérieur, des échelles de service, des choses comme ça, mais les passagers ne savaient pas qu'ils existaient, ces passages-là. Euh, donc ensuite ça reposait vraiment sur la débrouillardise de chacun ou sur la chance d'être tombé sur quelqu'un pour vous guider etc. C'est pour ça que parfois d'ailleurs on a des passagers qui disent moi j'ai vu qu'on m'a fermé une porte au nez euh, et qu'on l'a verrouillé ensuite et j'ai pas pu passer Le problème c'est qu'ils savent pas ce qu'il y avait derrière la porte si ça se trouve c'était pas du tout le chemin vers les canaux donc c'est aussi quelque chose qui vient jouer là c'était un vrai chaos et ça a beaucoup joué dans la, la survie des passagers de troisième classe d'autant qu'on voit bien par exemple que selon la nationalité et surtout selon leur capacité à parler anglais, euh, la survie n'était pas du tout la même. Donc euh, là il y avait vraiment un problème aussi au cœur de tout ça qui était celui de l'accès au canot de façon vraiment euh, dans la manière dont on avait conçu finalement les choses. Et donc ça ça a obligé à poser la question. et d'ailleurs par exemple sur l'Olympique, on a rajouté des escaliers qu'on a mis en plus à l'arrière pour faciliter les communications et tout ça. Quand on a lancé le troisième navire de la série, on a mis des canaux directement sur le pont destiné à la troisième classe. Bon, il n'a pas eu le temps de servir comme tel puisqu'il a coulé pendant la guerre, mais on avait prévu des, des canaux à cet endroit-là justement pour pouvoir dire voilà, si les passagers euh, de troisième classe sortent sur le pont comme ça, ils ont des canaux directement sur leur pont là où ils ont l'habitude d'aller, ça sera beaucoup plus simple. Donc, il euh, y a comme ça des choses qui ont été, euh, on a tâtonné en fait, on a tâtonné. D'autant plus que on a réuni une convention internationale, euh, la fameuse SOLAS sur euh, la sécurité en mer en 1914. Plein de pays se sont réunis pour essayer de mettre en place des, des réglementations. Mais déjà, il y avait un premier constat qui était que souvent, c'était pas applicable sur les plus anciens navires. Et donc, souvent, on a mis en place des exceptions, c'est-à-dire il faudra assez de canaux pour tout le monde. Sauf si c'est pas possible. Il faudra des compartiments tels que ça. Pour les nouveaux navires, bon, pour les anciens, on, on va passer. Et en plus, il y a eu la Première Guerre mondiale, et donc on n'a pas eu le temps de ratifier la Convention, ce qui fait qu'il a fallu reporter ça à 1929. Bon. Donc en fait, c'est les compagnies elles-mêmes qui ont dû aussi prendre des décisions, parce que, ben, là encore, euh, les clients ne sont pas fous. Quand ils se rendent compte qu'il y a eu un naufrage, par exemple, et que toute la presse matraque Il n'y avait pas assez de canaux à bord du Titanic... Et eh ben maintenant ils vont se poser la question sur les nouveaux navires. Et typiquement par exemple sur l'Olympique, alors qu'on y a installé de nouveaux canaux dès euh, la semaine suivant le naufrage, euh, on a des marins qui vont faire grève parce qu'ils considèrent que les canaux qu'on leur a fournis sont pas assez solides. Donc il y a une prise de conscience aussi qui fait que de toute façon les compagnies, loi ou pas loi, elles n'ont pas vraiment le choix. Ce faut bien voir, c'est que 1913, juste avant la Première Guerre mondiale, c'est euh, la plus grosse année en termes de transport maritime euh, de passagers. On est à 1,5 million, je crois. Euh, c'est énorme. Et pour les compagnies qui n'ont pas encore imaginé qu'allait qu leur tomber euh, sur la figure euh, la Première Guerre mondiale, ça doit continuer, ça. Donc, ils investissent dans des navires toujours plus gros. Il faut imaginer, par exemple, que les Allemands mettent en service en 1913 l'Imperator, qui lui a carrément une quatrième classe, c'est-à-dire que la troisième classe est d'un peu meilleur niveau que ce qu'on trouvait jusque-là, et du coup on a une quatrième classe où là on est retour sur des dortoirs et tout ça. Donc on est pour transporter plusieurs milliers de migrants par traversée sur ce navire-là. Bon, et on a comme ça plein de navires qui sont conçus pour ça. La France, pareil, commence à prévoir son pari qui théoriquement devrait arriver en 1916, il va être un peu retardé par la guerre. Elle, elle envisage aussi de la place pour peut-être 2000 migrants. Donc ils sont tous dans une course à la taille et à la capacité. Et puis arrive la Première Guerre mondiale, et donc jusqu'en 1919, plus du tout ou presque d'échanges transatlantiques, en tout cas plus de migration. Et puis le monde après la guerre est totalement différent. Alors il va y avoir un petit boom migratoire quand même, parce que euh, l'Europe, notamment de l'Est, est complètement chamboulée par les nouvelles frontières, etc. L'Allemagne défaite euh, est aussi un pays euh, complètement chamboulé, révolution et ainsi de suite il y a beaucoup de migrations qui partent de cette Europe centrale. Et donc là, on va avoir d'ailleurs des compagnies britanniques qui même, en plus, vont profiter du fait qu'il n'y a plus de navires allemands, puisque c'est eux qui les ont récupérés. Et donc, ils vont mettre en place des lignes pendant quelques temps, au départ de Brême, au départ de, de ports comme ça, pour récupérer toute cette migration-là. Mais euh, ça va durer quelques années. Et donc, en 1921, les États-Unis disent une première fois, stop, euh, trop de monde. Et en 1924, ils vont le dire une deuxième fois, et donc avec deux lois différentes qui introduisent des quotas qui, en gros, visent à sélectionner un petit peu l'immigration qu'on veut bien, c'est-à-dire, en gros, dire voilà, bon, bah, jusqu'à présent, on avait beaucoup d'Italiens, maintenant, on en veut moins, par contre, les Scandinaves, ça passe encore, etc. On dose sur ce genre de critères-là. Et en tout cas, une chose est sûre, ça réduit énormément les flux de passagers, Puisque souvent, on a des compagnies qui se retrouvent euh, ben, en fait euh, à ne pouvoir transporter en un mois le nombre de migrants qu'elles auraient transportés jusque-là en une traversée d'un seul navire. Et là, c'est en un mois pour tous leurs navires. Donc, ça pose un problème. Ça pose un problème majeur et il faut s'adapter. On se retrouve même avec des, des fois des, des compagnies qui font presque la course pour arriver au début du mois pour pouvoir poser leurs passagers avant que le quota soit atteint. Et donc, euh, très vite, on réorganise les choses. Par exemple, la White Star. Et la Cunard, très certainement, avait une escale à Queenstown, un port du sud de l'Irlande, qui était là vraiment une escale migratoire. C'est-à-dire, on récupérait des Irlandais pour finir le voyage. Et cette escale, dès 1925, elle disparaît. Parce qu'on hein, ne peut plus faire rentrer d'Irlandais en masse aux États-Unis, donc cette escale n'a plus de raison d'être. Donc ça, c'est un premier mode d'adaptation. Et le deuxième mode, ça va être de transformer la troisième classe, c'est-à-dire que bon bah maintenant qu'on ne peut plus y transporter 2000 personnes par traversée, eh ben on va changer la configuration de l'espace, on va transformer des dortoirs en groupes de cabines, des choses comme ça. Il faut imaginer que les paquebots c'est souvent très modulable en fait. Par exemple, en, en troisième classe sur le Titanic, il y a ce qu'on appelait des, des cabines portables. C'est il faut imaginer des cloisons, du mobilier, tout ça peut être enlevé, mis à terre et on transforme en calme. C'est notamment très pratique quand c'est la morte-saison, où là bah du coup on dit voilà, on n'aura pas besoin de tel, de tel bloc de cabine, on enlève tout et on remplace ça par une cale. Bon, donc on peut faire ce genre de choses, et malgré tout, c'est des, des cabines très bien le reste du temps. Hein. Donc euh, c'est des choses qu'on peut faire. Donc euh, c'est ce qu'on va faire aussi sur des navires qui n'étaient pas prévus pour ça initialement, on va leur concevoir des groupes de cabines, des choses comme ça. Et on, puis on va revisiter un petit peu la répartition en classe. Déjà parce qu'on se rend compte qu'on voit naître de nouvelles clientèles, des classes moyennes qui voyagent plus, que tous ces migrants qui sont partis, ben maintenant, il arrive qu'ils veulent retourner voir leur famille, que leur famille veuille venir les voir aussi, ça arrive. Donc ça fait une clientèle qui a les moyens de voyager, mais seulement en troisième classe vraisemblablement, mais qui veut être traitée en client, pas juste en migrant. Et donc ça implique des changements. Et donc, on va euh, voir les navires évoluer, on va voir les compagnies jouer aussi sur la dénomination des classes. Par exemple, elles vont se rendre compte que, bon, euh, première classe, évidemment, c'est valorisant. Deuxième classe, ça l'est moins déjà, parce qu'on passe en deuxième, c'est pas marrant. Si on remplaçait ça par touriste, ça peut être mieux. Donc, ça va devenir la classe touriste. Mais des fois, en fait, la classe touriste, ce sera plutôt la troisième classe. Voire des fois, on va même voir apparaître ce qu'on appelle la troisième classe touriste. Bon, on a comme ça des choses qui... On, on bidouille beaucoup, on teste beaucoup, ça change d'une année sur l'autre. Mais en tout cas, on reconfigure les navires pour essayer vraiment d'accueillir la troisième classe en moins grande quantité, mais de façon plus confortable. Et du coup, on peut viser à la fois des migrants pour ceux qui peuvent encore passer, et puis bah, toute cette autre clientèle qui voyage, pour de vrai cette fois-ci, que ce soit pour le travail, pour la famille, pour même, pourquoi pas des vacances, mais à petit prix. Donc on a ça aussi qui va se mettre à à émerger même si le flux migratoire ne disparaîtra pas du tout et donc à partir de ce moment-là très vite la troisième classe va vraiment devenir la classe la plus petite des navires finalement euh, et même mais ça c'est plutôt après la deuxième guerre mondiale va carrément disparaître alors c'est pas vraiment l'apparition parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on voyait déjà avant euh, bon, les croisières étaient apparues en même temps que les navires, finalement, dans le sens où euh, fut un temps où, même si le navire n'avait pas ce but-là, bon, bah, des passagers pouvaient décider de s'embarquer pour faire un voyage d'agrément. Mais surtout, euh, à partir de 1890, par exemple, pour le, la compagnie Générale Atlantique, on voit apparaître vraiment des voyages de luxe qui souvent sont organisés à la morte saison pendant l'hiver, euh, où on se rend compte que de toute façon, il y a très peu de gens sur la ligne de l'Atlantique, et donc on prend un beau bon paquebot. On le fait partir souvent de New York, et on lui fait faire le tour de la Méditerranée avec plein d'escales, et ensuite on le ramène au port de départ. Et donc là déjà on voit ce genre de choses, la croisière de, de la Touraine, je crois que c'est en 1892, et un voyage assez extraordinaire, il visite les ruines romaines, les ruines grecques, il se balade à Istanbul, il part en Égypte, enfin bref, il voit tout. Et euh, simplement, évidemment, on est là sur de la clientèle très très riche, ne serait-ce que parce que, vu la durée du voyage, il faut se permettre de, de passer euh, un bon mois comme ça sur ce genre de choses. Bon. Ensuite euh, arrive euh, effectivement ce, ce moment où les, les migrations se réduisent, et effectivement, là on voit de plus en plus de passagers qui font le voyage pour aller faire du tourisme de l'autre côté, euh, ou pour cumuler du tourisme avec d'autres choses, hein, comme je l'ai dit, ce qu'on qu voyait déjà en deuxième classe. Et puis, va arriver aussi, notamment pendant la crise euh, des années 30, vraiment une industrie de la croisière beaucoup plus développée, en particulier parce que euh, la, la période étant à la crise, les navires sont beaucoup moins rentables vu qu'il y a beaucoup moins de bouchons qui montent dessus. Et le problème, c'est qu'un navire qui ne sert pas, c'est un navire qui coûte quand même de l'argent, ne serait-ce que parce qu'on a beaucoup investi pour le construire et qu'on n'est pas en train de le rentabiliser, mais d'autre part parce qu'il faut quand même l'entretenir un petit peu. Donc, ou bien on l'envoie à la casse on le fait démolir et comme ça on touche de l'argent avec les, les matières qu'on a obtenues, ou bien il faut l'utiliser à quelque chose. Et dans ce cas apparaît l'idée que ben, des petites croisières, ça peut être intéressant. Alors pendant la prohibition, les Anglais avaient trouvé un truc aux États-Unis, ils faisaient ce qu'ils appelaient les croisières pour nulle part, c'était qu'ils proposaient à des passagers de partir de New York pour aller dans les eaux territoriales, boire un bon coup, et puis pour revenir à l'heure pour le travail pas forcément en état par contre, mais au moins ils avaient fait comme ça rentabiliser un petit peu un, un voyage pas cher. Et on voit surtout dans les années euh, 30 vraiment se développer, par exemple la France, en France, ce qu'ils appellent les croisières du week-end, pour le coup, c'est vraiment on part du port, on va faire un petit tour pas loin, hein, du côté de l'Angleterre ou quelque chose, puis on revient, ça coûte pas très cher, et du coup on peut toucher une classe moyenne. Et puis, à côté de ça, on garde les grandes croisières. Par exemple, en 1938, euh, le Normandie fait une croisière mémorable à Rio. Euh, C'est un voyage où il passe par les Antilles et tout ça. Et là, il part de New York. Et le but, on est vraiment au mois de février, il fait un temps pourri euh, sur la côte Est. C'est de permettre à tout un tas d'Américaines, souvent leur mari reste au boulot pendant ce temps, de partir euh, bronzés dans les eaux euh, confortables, on va dire, des tropiques. Donc il y a aussi ça qui se met en place. Et là, de plus en plus de navires font ce genre de choses pour euh, pas forcément être rentables, parce que c'est des voyages qui sont pas toujours rentables, mais ça coûte moins cher que si on avait juste laissé le navire prendre la poussière, on va dire. Donc dans le doute, on organise, sur un malentendu, ça peut même rapporter un peu d'argent. Donc on voit naître euh, ce genre de choses, oui, à l'époque, et c'est le signe d'une euh, démocratisation des loisirs. Après, l'étape suivante, évidemment, ce sera les années 50, parce que là va s'imposer une concurrence qui est celle de l'avion, à partir du moment où on peut faire le voyage dans l'Atlantique en quelques heures, eh bien, euh, évidemment, prendre le bateau, ça devient un luxe. Très tôt, on s'est rendu compte qu'un paquebot pouvait avoir plusieurs utilités euh, par temps de guerre. Déjà, transporter, comme j'avais dit tout à l'heure, du matériel et des hommes. Euh, bah, la, trans la Transat commence à exister par exemple euh, dans les années 1860 en tant que compagnie générale transatlantique, au moment où Napoléon III mène son expédition au Mexique. Et la pr le premier voyage que fait un navire de la compagnie, c'est le, le paquebot La Louisiane, et c'est vers le Mexique, dans un but euh, autant militaire finalement que commercial. Après, avec le temps, les Britanniques notamment se rendent compte d'une chose, c'est qu'une marine de guerre à entretenir, ça coûte cher en temps de paix et ça sert pas à grand chose. Maintenant, pour tout un tas de missions, on pourrait considérer qu'un paquebot qu'on réquisitionnerait et sur lequel on installerait des canons pourrait aussi servir de navire de guerre. Et donc en 1889, par exemple, la White Star va mettre en service un navire, le Teutonic, qui aura ensuite un jumel majestique, et ces deux navires qui, pendant 25 ans, vont être financés chaque année par l'amirauté, et en retour, ils doivent répondre à des normes de sécurité, de vitesse, etc., le Teutonique va même faire des défilés militaires. Et ils sont conçus pour qu'on puisse y installer facilement des canons et s'en servir comme croiseurs. On appelle ça des croiseurs auxiliaires en français, mais les, les, les Anglais vont utiliser plutôt le, le mot de navire marchand armé. Et donc ça, ça donne bien l'idée de ce que c'est réellement. Et donc ce sont des croiseurs qu'on peut utiliser pour des missions de patrouille, par exemple, euh, des choses comme ça. Et pendant la Première Guerre mondiale, certains navires de la White Star, par exemple, vont servir comme ça, hein, patrouiller au, au large des, des îles britanniques. Euh, les Allemands vont en utiliser certains comme corsaires, c'est-à-dire qu'on a des, des paquebots allemands qui vont se lancer, enfin, on en a un surtout, qui va se lancer dans une espèce de folle équipée dans l'Atlantique, où il attaque tous les navires marchands qu'il voit pour récupérer leur cargaison. Et puis bon, ben, finalement, il va se retrouver à court de charbon et partir dans, dans un port américain à une époque où les américains sont neutres. Et dès que les américains rentrent en guerre, ils récupèrent les navires qui sont restés dans leur port, puisque là, ils sont plus en neutre du tout. Donc, on a ce genre de choses. Reste un problème qui est que les paquebots consomment souvent beaucoup de charbon. Et ça peut très vite être prohibitif pour les utiliser comme croiseurs. Donc, euh, par exemple, le Mauritania et le Lusitania, qui sont deux navires extrêmement rapides mis en service en 1907, eux aussi ont été financés par l'amirauté pour s'en servir comme croiseurs, et en fait à peine ils commencent à en convertir un qui se rendent compte que ça va pas le faire, que ça va coûter trop cher et que c'est plus la peine. Par contre, il y a une autre utilité. On a des navires qui, en temps normal, ont déjà une capacité de plusieurs milliers de personnes, dans des conditions de voyage normales là, dans des conditions militaires, où en plus on peut se permettre d'entasser les gens, dans des cabines ou dans des salons, etc., eh bien, euh, on peut complètement transformer le navire pour en faire des transports de troupes. Faut bien voir que tous ces paquebots, là, on voit par exemple leur magnifique décoration et ainsi de suite, tout ça, c'est en quelque sorte du décor qui a été installé à l'intérieur, mais c'est extrêmement modulable, on peut enlever les boiseries et tout ça, pour protéger le navire, pour protéger ça en tout cas, on le débarque et on transforme tout en dortoir, en choses comme ça et donc, euh, on a des navires, comme l'Olympique par exemple, qui vont passer toute la guerre à transporter des militaires, que ce soit à travers la Méditerranée, notamment quand on a l'opération lancée dans les Dardanelles, ou pour venir depuis le Canada puis les États-Unis. On a des navires aussi qui vont continuer leur service habituel, mais transporter en prime des soldats et surtout du ravitaillement, puisque le Royaume-Uni notamment dépend beaucoup de ses, ses colonies. Et puis, on va se rendre compte d'une autre utilité c'est que ben les gens qu'on a amenés au Dardanelles, comme ça se passe très mal, ensuite ils sont blessés, qu'il faut les ramener pour les soigner, et donc on a besoin de navires hôpitaux. Et là par exemple le Mauritania, le Britannique aussi plus tard, vont devenir des navires hôpitaux capables de soigner dans les 4000 personnes, et ils vont faire des voyages réguliers entre les lieux de combat et puis les hôpitaux britanniques. Donc ça ce sont un peu tous les usages qu'on trouve, on va trouver aussi des usages plus expérimentaux, Certains navires vont être transformés en porte-avions, par exemple. ça Il y, y en a un dont on tente de faire le, les choses pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est surtout pendant la Deuxième qu'on va beaucoup le faire. Les Japonais sont devenus les rois du, de la conversion de paquebots en navires de guerre. mais donc on a comme ça des, des choses sur lesquelles on va, on va bidouiller un petit peu. Et évidemment, après, euh, la guerre est un moment aussi dangereux pour ces navires, puisqu'évidemment, ils ne sont pas aussi blindés qu'un cuirassé. Ils sont très vulnérables aux mines et aux torpilles, et donc euh, chaque compagnie va payer un très lourd tribut pendant les guerres. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la, la Transat a perdu les deux tiers de sa flotte. Donc euh, c'est beaucoup. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, la White Star a aussi une bonne dizaine de navires, par exemple, qui ont coulé. Donc euh, ça fait des choses ensuite qu'il faut réparer, tout ça. dit coule alors lui en plus justement il coule dans le port de New York au moment où on est en train de le convertir alors on a envisagé de le convertir en porte avions puis finalement on en fait un transport de troupes et on est justement en train d'enlever tous ces éléments décoratifs et c'est dans ce cadre là qu'il va brûler puis être euh, enfin on, on éteint mal l'incendie on envoie trop d'eau à bord et il chavire mais donc oui euh, là pour le coup c'est un accident bête mais autrement on a aussi un bon lot de torpillage de poses de mines euh, qui entraînent des naufrages, le Britannique par exemple dont je parlais tout à l'heure, euh, troisième jumeau du Titanic, coule après avoir heurté une mine, mais on a surtout le célèbre torpillage du Lusitania qui là pose plein de questions, est-ce que c'est un crime de guerre Les Allemands vont répondre que oui, mais il y avait du matériel militaire à bord peut-être alors finalement et puis aujourd'hui on sait effectivement qu'il y en avait. Donc il y a tout un tas de choses comme ça, c'est évidemment des questions qui sont extrêmement sensibles mais euh, pendant la Première Guerre mondiale, même si le trafic de passagers est réduit, il n'est jamais complètement coupé. Il y a malgré tout des gens qui ont besoin de passer d'un bord à l'autre pour le travail, pour ce genre de choses. Et c'est des traversées qui sont évidemment très dangereuses. Et donc là aussi, c'est une époque très particulière pour les compagnies. Mais après, les compagnies du côté victorieux vont avoir la chance de récupérer les navires allemands euh, qui vont être répartis finalement entre les, entre les vainqueurs, hein, euh, tout simplement, pour compenser les pertes.